Ouais, venez sur genre, le jeu, je crois qu'il y a 26 places. Cool. J'ai mis 26 slots sur le serveur. Six, appelle Mary. Pourquoi tu veux que j'appelle Mary, frérot? Le sergent chef de Full Metal Jacket. Le sergent chef de Full Metal Jacket. Ah ouais, sergent baleine. Ah ouais, je vois. Faut que je le revoie, Full Metal Jacket. C'est vieux quand même. C'est long aussi. Ouais. This is my gun. Ouais, je m'en souviens, c'est bon. Mais je sais pas pourquoi, quand je pense à un sergent chef en ce moment, je pense plutôt à The Edge of Tomorrow. Ah ouais? Bah ouais, parce que il y a un truc en fait qui fait que quand tu répètes 9 fois un truc dans ta tête, tu l'apprends par cœur, tu vois. Un truc du 8 plus 1 ou je sais plus comment ça s'appelle ça. Bon, je sais pas si c'est vrai, si c'est scientifiquement prouvé, mais bon, bref. Et Edge of Tomorrow, le mec, dès le début, il répète toujours la même chose puisque c'est toujours le même jour. Et du coup, à chaque fois, du coup, quand je passe sergent chef, à chaque fois, je pense à On your feet, soldier! Parce que c'est ce qu'il dit à Tom Cruise quand tu lui mets un gros coup de kick dans la gueule dans le début de Edge of Tomorrow. On your feet, soldier! J'adore tellement Kubrick. Attends, Full Metal Jacket, c'est Kubrick? Ah ouais. Putain, la vache. Il est mort, lui? Il est mort, Stanley Kubrick? J'aime pas trop ce film Edge of Tomorrow. Oui. Ah ouais. En 99. Ah ouais. Ça doit être quoi son dernier film? Ça devait être... C'était pas Eyes Wide Shut? C'était pas Eyes Wide Shut? Son dernier film? Il est mort lors de ta date d'anniversaire. Yes. Eh, hey, je m'en souviens. Eyes Wide Shut. Ce film m'avait bouleversé. Bouleversé. Putain, qu'est-ce que j'aimais pas. J'aimais pas ce film. J'ai pas aimé du tout. Ça me mettait mal à l'aise. Mal à l'aise. Il y a peu de films comme ça qui m'ont mis mal à l'aise. Mais ouais. Il y avait celui-là. Two Girls One Cup aussi. Ça m'a bien mis mal à l'aise, celui-là. Voilà. Ouais, c'est les deux, en fait. Deux Kubrick. Très bon, Eyes Wide Shut. Ah non, 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 non. Non, non, non. Ok. On peut y lancer ou pas? Multijoueur. Oui. Let's go. J'ai la ref. Ouais, bah, ouais, c'est, ça, t'aurais pas dû. Ok, en avant. On your feet. C'est quoi du coup? 6-4. Ouais, si tu mets juste 6-4, 64, bon, par exemple, tu l'as trouvé normalement. Mot de passe. Bah, je tape ça 64, ça marche pas, mec. Faut que tu fasses. Tu vas appuyer sur entrée pour. Parce qu'en fait, c'est tu verrouilles l'écriture. Waouh! Hey, ils font des trucs, ça sert vraiment à rien du tout, quand même. Hein. Ça, t'es sûr de bien le mettre. Ok, donc là, faut que je télécharge tous les trucs, là. Ouais, tu fais télécharger. Non, tu fais. Ouais, rejoindre. Je sais plus si c'est rejoindre ou ouais, ça télécharge tout. Waouh! RHIB, Game Master FX, Status Quo, ZU33, UMV, Extra Ammo for GMV, RHIB, Odin Game Master Edition, ZU23. Oh, t'as mis un ZU23, putain la vache. Oh, un petit UMV avec une protection. Ah ouais, c'est un peu anachronique quand même là. C'est la guerre froide mais un peu chaude quand même. C'est la guerre tiède. Irréversible et hard aussi. Ouais, 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 ouais. Ils en ont fait tout un flan et tout. Je sais pas. C'est bon, c'est parti là? Oh, ça télécharge vite en fait. 2,7 Go. Après cette vague de chaleur, faut ma verre de la glace. Faut ma verre de la glace? What? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est bourré l'autre. Ok, préparation au déploiement. Américain, yayo. Si vous voulez rejoindre, vous pouvez, ok? C'est 6-4, password 6-4, ok? C'est pas dur. Et là, c'est parti pour du gros RP.
Enfin, gros, non, ça va pas être du RP Bilsim. Alright. L'île au sol. Le mot de passe, c'est 64 en numérique. Il y a encore des araignées et elles pendent à ma casquette. Vu les guignols d'hier. Il est privé cette fois? Ouais, ouais, c'est bon. Yayo, il a pris un nitrado. Mais après, on va en héberger un sur le campus. Moi, avec le nouveau PC, ça va, ça tourne pas trop mal. C'est quand même relativement propre. Même si c'est pas le jeu le mieux optimisé du monde, on va pas se mentir. Ah oh ouais, le petit M60. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop là, on va téjar ça. Oh la lampe, j'ai la même avec les filtres dans le cul là. Oh, cette lampe, quoi. Tac. Normal. Ça passe. Quoi, c'est un laser ou quoi? Morphine auto-injectable. Ah, mais j'en avais de la morphine, du coup. On peut mettre ça là? Non? Ça marche pas comme ça? Pantalon de combat. Ok. Il est là, là. Ah, d'accord. Chemise de combat. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est bon. C'est quoi? C'est un PSGT qu'on a de base, non? Ouais, c'est un PSGT. J'avais bon tout à l'heure. Oh, j'ai une bonne tête de gland quand même, là. Là, on dirait un Canadien. Vas-y, je vais garder ça. Très bien. Elle est en Kevlar, comme John Wick. Ah, oh, mais c'est... Le petit Woodland. Bon, il y a tout, là. C'est bon? Ok. Bande sans traçante. Ah, c'est du... J'ai, ouais, une trace... Attends, une M60, c'est du 762 x 51. What the fuck? Avec AZU, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais les gars, n'hésitez pas à rejoindre, hein, vraiment. Ouais, n'hésitez pas à rejoindre les amis, hein, pour les informations 6-4. Armory Forger, venez, ça va être trop drôle. Vraiment, vous allez passer un super moment et il y en a qui vont se dire putain, pourquoi je suis pas venu quoi. Si vous avez le jeu, c'est même pas négociable en fait. What the fuck, pourquoi il y a ça? Merci infiniment à KSCU du coup d'avoir offert la possibilité à 50 personnes, les amis. Leur droit de scolarité au sein du campus de la Solty Academy pour Oscar le Belge, pour Nebgis, pour Sparties. Pour Yugzap, Steven, Matt, Monigno, Jimmy GR, Raken, Biscotte la Menace, Tipex TPX, The Lynx, Imolo, Tyson, Da Silva, Grimpo, Gimpo, Cusco Music, Iprozac, Marvelion, Inconnu 24 Twitch, Baba Yaga, lol, Baba Gay, j'ai la ref. Designer, Cairo, MRF 109, La Godasse, Andir Kiri, merde. Zelyu, c'est pas le vrai. Warazex, Floki, Couleuvre 69. N'oubliez pas, les couleuvres sont protégées pour l'été. Si vous voyez des serpents en France, vous n'avez pas le droit de les tuer. Il est important de rappeler ce. Voilà, il a tué une couleuvre, lui. Il sera fusillé. Merci pour Bridé, pour LB, pour I'm Trash Gaming, pour Kuroro Way, Ferlo, Axidex, Med, Filtatune, lol. J'ai la blague. Merguez, Corsica, Jonax, Ixa, Bass, CC38-7, Sonix, Kaito, Hero, Lasquinte,
Nouachi, Super Polo et Unfix se font tous payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour KECU. Repose. Qu'est-ce qu'il a fait là? Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est normalement le truc que tu voulais. T'es un monstre, poulet, vraiment, ça me touche énormément. 6-4. Eskeni, tu peux rejoindre si tu veux, mais fais bien gaffe à ta gueule, toi. Mais pourquoi il y a des M4 et tout? Non, mais ça, on va pas le mettre, mais c'est de base, comme t'as dit, par rapport à la guerre moderne. Genre, switch à droite, c'est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à droite, pas les armes, en soi. Mais nique ta mère, il a mis des ACOG et tout, what the fuck, il y a une JPC! Non, c'est pas une JPC ça. RHPC, ok, Gen 3, ok. Vas-y, mais moi j'ai envie de ça là, aïe, là, tactical et tout. En plus, les gymnases sont fonctionnels. Peut-être la prochaine fois. Oh là là, les petits combat shirts! Les petits bunny hats! Les petites balaclava. Il y a des Ubas. Les petits... C'est des Peltors. What the fucking... Des petits Mitch. Même pas. Oh, des... oh là, OCH, parfait. Oh la vache. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des hélicos. Bah ouais. Vas-y, mais t'es... La prochaine fois. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as mis ça, là? Aïe, c'est mon casque ça. En fait, j'ai mis ça parce qu'il y a des modes qui vont avec, c'est un groupe de modes en fait. Et il y a des véhicules. Oui, d'accord, ok, d'accord. Mais là, c'était juste pour te montrer, là je vais supprimer après, bien sûr. Ouais, mais bah, supprime. Parce que sinon les gens ils vont dire. Ouais, bon, en avant les amis, du coup, qui est-ce qui vient là? 2,7 de mode. Eh, Colonel Cookie, franchement, 2,7, c'est bon. Eh, on n'est plus en 2002, frérot. L'autre, il a un 56K, sérieux. 2,7? Faut arrêter. 2,7. Il faut vraiment que je dorme. Bonne nuit, les gens. Eh, envoyez plein de cœurs avant que KSCU se barre, les amis. Je n'avais pas vu en checkant mes paramètres. Ouais, ok, Eskeni poulet, mais fallait être sur le... Bon, c'est pas grave. Ouais. Viens, reviens. Le jeu a l'air incroyable quand même. Mais vous avez rien vu, là. Vous avez rien vu. Yayou, il a préparé des trucs et tout. Les gars, vous êtes pas frais. Putain, venez. Attends, t'as fait tomber. Y'en a qui l'ont, là. Y'en a qui arrivent ou pas? Ouais, balance-les, les plus casques. En revanche, pas trop dur, poulet. Là, y'a un casque aussi de pilote d'hélico, là. donne-moi ça. T'as rien vu. Ça a l'air incroyable, mais j'ai pas, donc je pourrais pas rejoindre ce soir. Ah bah bravo, peux pas malheureusement, bientôt j'espère. Sympa la MG42. La MG42, mec. T'es sûr que c'est une MG42? Ah, bon, à la base, la M60 doit être inspirée de la MG42, je pense, d'un point de vue. Mais c'est une M60. C'est celle de Rambo, ça. Très connue pour. Dans son. Très connu avec Rambo, quoi, quand il en a deux dans les mains. Peut pas non plus. Pourquoi vous pouvez pas? Merci KSU, t'es un monstre, poulet. John Rambo, bien sûr. Si on est sur Steam Deck, on peut venir. Steam Deck? Mais t'étais déjà venu, toi, Victor, là. Steam Deck? Mais t'as pas de vie ou quoi? Tu bosses chez Steam ou quoi? Non, mais je sais pas, frérot, tu peux, oui. En vrai. Des gens qui sont sur console, vous pouvez mais aussi. Mais il y a des gens qui sont venus sur console hier. Hein. T'as pas les bonnes balles dans ton sac, il me semble. Bah, j'ai une bande de 762x51 M60. C'est ça. Hein. Après, là, j'ai un chargeur en plus, un. Hein, quoi. Non, on est bon, frérot. Ah, si vous voulez, en attendant que les gens rejoignent, on peut faire une petite guérilla à côté là. Un petit truc si vous voulez. Non, le temps que. Venez, on vous attend, bande de noobs. Ouais,
Ah, pour info aussi qu'ils sont en safe zone maintenant ici. J'ai mis en sorte qu'on se soit en safe zone. En safe zone? Ouais. Ok. Bon, faut pas aller trop loin non plus, hein, parce qu'après ça marche plus. Ok. Attends, j'ai... Bah, j'ai pas ma radio là, pourquoi ça marche pas? Canal de section... J'ai DL là, à 1 MB par seconde. Mais frérot, mais t'habites en Ouzbékistan ou comment ça se passe? 1 MB seconde. Wouah. Parce qu'en fait, t'as... là t'as qu'une radio. La grande elle fait qu'une radio, je crois. Ouais. Ok, donc du coup. Mais t'as pas la petite. Et pourquoi est-ce que ça m'indique pas le canal? Pourquoi ça marque canal de section? Pourquoi ça marque pas 32 MHz? Parce que après tu fais. Normalement tu changes avec la molette parce... directement. Quand t'es dessus. Hein? Genre. Sélectionne le canal que tu oh veux. Oh non de Dieu, putain, je me suis fait peur tout seul, c'est bon. Y a pas de problème. Sélectionne quoi? Sélectionne le canal. Oui, c'est fait. Tu fais R pour l'allumer et après avec la molette, tu peux changer le canal où t'es. R pour l'allumer et avec la molette, tu peux. Ah ouais, c'est bon. Ok. Putain, la vache, c'est pas si. Ok. Ouais, c'est pas. Ok, faut vraiment tout connaître. Du coup, on se met sur quoi? Cette radio. On se met en. C'est quoi le truc de base? La radio de base déjà, c'est. C'est 32 et 48, je crois. Bah, go 32 alors. Canal section 48. Ah, ok. Attends, il y a Atlas Red 38 là en bas, il y a marqué. C'est toi qui as dû mettre un truc en 38. Test, tu m'entends? Test radio. Tu t'es mis en combien? Il y a un truc qui s'appelle. Il y a un truc déjà pré-enregistré qui s'appelle Atlas Red 3 sur 38. Ouais, c'est parce qu'en fait, ça c'est les radios Spark Squad. Mais vu que. Oui, d'accord, mais oui, effectivement. Ouais. Ah, y'a quelqu'un là-bas. Y'a Treki. Oh, salut, je règle mon micro. Là, y'a pas de soucis. Let's go! Radio plus M60, ton perso a Ken, la femme du colonel ou quoi? Ah ouais. Ah ouais, il a tout. J'avoue. Mais j'ai la casquette, donc je perds un peu de poids. J'avoue, j'ai la triple peine. Ah, c'est alors, parce que j'ai les gros biceps. Fais gaffe à ça parce que la balistique, mettons, elle est violente. Hein. Elle est violente. Hein. Elle est violette? Violente, tu te prends une tête, tu tombes tout de suite. Hein. Peut-être le casque, ça protège. Hein. 2 balles, je crois, dans la tête. Ouais, je savais. Ah, je vais mettre mon PASGT dégueulasse là. Putain, qu'est-ce qu'il est moche. Au pire, mais prends-en un comme moi. Ah ouais. Bon, est-ce qu'on est bon là? Ouais, bah on est. Attends, bah là en fait, vous êtes. Ouais, vous êtes que. Attends. On a perdu notre personne ou quoi? Non, vous êtes 4 là, en tout. 4, enfin, encore 5. 2 personnes. Qui est-ce qui vient là? Il rate son clash sur M6 à cause d'un tremblement de terre. Mais what the fuck? GG, la vidéo continue comme ça. Ah, GG, la vidéo continue comme ça. Continue de vivre un tremblement de terre, c'est ça que t'es en train de dire? De toute façon, là, on est assez pour la mission. On n'est pas obligé d'être 10 000 aussi. Mais. Ça termine de DL, j'arrive. Eskeni est en train de DL. Et bah, c'est tes mods, poulet. 2 giga 7 pour certains, c'est beaucoup. Mais bon, une fois que c'est fait, quoi. Ah oui, parce que, attends, ouais, ça faut le dire aussi, c'est que genre les mods de guerre moderne, tu pars sur au moins 30 gigas de mods. Hein. Oui, mais moi, c'est pas un problème, mais c'est un genre de truc où faut que ce soit préparé à l'avance. Tout, voilà, ça peut pas être en mode. Ouais. Bien sûr. On arrive. Après, ce qui serait bien pour une prochaine fois avec les mêmes mods qu'on a sans partir dans le moderne, j'ai du moderne chez les Russes. Chez les Russes, j'ai full moderne aussi. Là, dans le mode là, qui est. Ah, ça peut être sympa ça. Il y a un Ind. Ouais, il y en a un. Mais le problème, c'est en fait tous les hélicos, ils sont. Il n'y a pas de son. Genre attends, je vais te faire spawn un mec.
Ok, mais ça on verra plus tard, poulet. Casse pas la magie. Casse pas la magie. Ok, au pire. On est assez là, si tu veux déjà. Ouais, d'accord, au pire, c'est parti. Et derrière, s'il y a des personnes. Ouais. Et combien de temps il reste pour certains là ? De toute façon, là, de toute façon, vous allez avoir un petit voyage, le temps d'y aller. Je pense que même. Les gens vont rejoindre petit à petit. Je ferai en sorte de. Ouais, les gens qui rejoignent, je ferai en sorte que. Mais qui est-ce qui vient dans le chat là ? Qui est-ce qui arrive et dans combien de temps ? 700 mégas sur les 2 gigas, 700 de fait. Ah oui, il reste encore 700 de 2 gigas à faire, ouais. Donc t'en as encore pour 30 minutes, quoi. Ok. Les autres. Ah, il y a quelqu'un qui vient juste de rejoindre maintenant là. Je télécharge les mods et je teste au Stream Deck si c'est jouable. Bon, je pense que ça va être jouable. Après, bon, tu vas être limité par rapport au nombre de boutons, quoi. Attends, il commence à faire nuit. Vous avez rien vu. Yes. Il peut y avoir des gens qu'on connaît pas qui viennent ou quoi ? C'est qui Thomas Turner là ? Ah, c'est Kenny ! D'accord. Ça vient de le rename. Ok, on va pouvoir y aller hein. Ouais, on va pouvoir y aller. Bah attendez, je vais vous faire le renseignement, le topo, venez avec moi. On va se mettre ici. Ouais, je veux que si tu peux poser ton arme et la reprendre, parce qu'on la voit pas. Il y a une petite D5 sur ça. Je la posais par terre. Je suis là, prends. Et nickel. Attends, je vais parler une game. On est bon, allez, c'est parti. En avant, je vais. Vas-y, go, venez. On se met là. Ok, let's go là, qu'est-ce que tu fous toi ? T'es ta claque là. Pardon, chef. Bon, je vous explique la situation. Je sais que vous venez d'arriver, mais malheureusement on n'a pas trop le temps. On va partir tout de suite, on a un petit problème, même avoir un gros problème. Je vous explique le topo sur l'île. Actuellement, nous avons trois factions sur l'île. Nous les Américains, qui sont pas trop appréciés, les rebelles et les Russes. Les Russes sont de leur côté au niveau de l'aéroport, normalement ils nous posent aucun problème. D'après ce qu'on a comme information, et inversement, on n'a pas le droit de se tirer dessus entre nous. Mais si jamais vous voyez du russe, essayez d'être de pas trop foutre la merde. Si jamais ça vous tire dessus, vous avez le droit de riposter bien sûr. Par rapport aux rebelles, les rebelles c'est du tir à vue. Il faut vraiment les éliminer de cette île. Ils sont très dangereux par rapport envers nous, mais aussi les Russes. Donc en vrai, si vous voyez du rebelle, il faut les abattre le plus rapidement possible parce que le problème des rebelles, c'est que. Mon lieutenant, est-ce que c'est possible de continuer je suis désolé de vous interrompre. C'est possible de continuer ce speech à l'abri, s'il vous plaît là. On est en train de tremper. On vient de saper 3 heures de bateau là. Ah, venez. Venez, sergent chef. Ah, merci, vraiment. Merci de nous inviter dans le carré des officiers. Ah, pas de soucis, c'est normal. Prends soin de nos hommes par ici. Le problème des rebelles, c'est qu'ils sont en contact avec les civils. Qu'est-ce que vous faites là ? Eh ! Les règles ISTC là ! Règle numéro 1 ! Règle numéro 1 ! Qui me cite la règle numéro 1 ? Ne jamais pointer ou laisser pointer le canon de son arme sur quelque chose que l'on ne veut pas détruire. Absolument ! Comment on fait ? Eh ben on regarde le sol, enculé ! Est-ce que t'as envie de détruire le lieutenant là ? Non ! Désolé. Regarde sur la notice de fois contrôle sur ton arme. Ah, merci. Il faut bien contrôler, genre bien contrôler. Yana, il a toujours pas compris, visiblement. On va pas avoir les meilleurs là, franchement. Contrôle bien. Contrôle bien, vas-y. Bien quoi. Contrôle bien. Là, tu. Oui, non, c'est trop là. Est-ce que t'as passé ton ISTC là ? C'est quoi ton nom là, soldat ? Soldat Kenny, mon lieutenant. Ah, mon lieutenant en plus ? Mais on t'a rien appris à l'école, enculé ou quoi ?
Je suis sergent, moi. Je sors de l'NSOA, là. Le lieutenant, il est là. Il a deux barres. Ok, c'est quand même pas compliqué. Oui, mon sergent. Oh la vache, mais il est con comme une bite, sérieusement. On t'a pas dit qu'on disait pas mon sergent, mais on dit mon lieutenant. C'est quand même clair. Oui, mon lieutenant. Ok, et toi là, et va dans l'eau là, va sous l'eau, ok? On va l'attendre parce que tu fais le gugus et tu commences à me courir sur le haricot, ok? Donc si t'as envie de faire le con, eh ben tu fais le con. Et déjà, contrôle bien, contrôle bien, bien. Ton arme, tu la contrôle bien. Oui, mon lieutenant. Est-ce que tu la contrôle bien? Est-ce que tu peux bien la contrôler? Bien! Bravo, félicitations! Sergent Kenny, soldat Kenny. Nom de Dieu, eh, franchement, eh, t'es pas le, hein? T'es pas le poisson le plus oxygéné de l'aquarium, toi, on le sait. Allez, rentre. Mon lieutenant, je vous écoute, excusez-moi. Merci mon sergent. C'est sergent tout court. Il est con, il est reparti en plus. Et pourquoi tu sautilles là? T'es excité? Qu'est-ce qui se passe? Il a... On est d'accord qu'il sautille ou quoi? J'ai envie d'aller aux toilettes. T'as envie de pisser avance, ou pas? Avance un peu, saute un peu. À passer. Il a peur, il se chie dessus. Ouais, c'est bon. Allez mon lieutenant, je vous écoute. Alors, excusez-nous. Oui, donc, pas de soucis. Le problème des rebelles, c'est qu'ils sont en contact avec les civils. Donc si jamais il y a un problème à un moment, il risque d'avoir beaucoup de renforts ennemis. Le topo actuellement, on a une base militaire qui est située au niveau de l'île à côté. On a actuellement plus de contact, plus de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe sur cette base militaire. On a envoyé un convoi pour voir ce qui se passe, sauf qu'on n'a plus de nouvelles du convoi. Votre mission, c'est de retracer le chemin du convoi pour voir ce qui s'est passé. Si vous trouvez le convoi, nos hommes où ils sont, genre, vous me donnez un citrate sur ce qui se passe. Et ensuite, rejoindre la base militaire pour voir ce qui s'est passé. Parce que je ne sais pas ce qui se passe actuellement et j'ai besoin de savoir absolument ce qui se passe sur cette base pour la suite de notre séjour ici. Sur ça, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, mon lieutenant, je ferai un brief derrière. Bon, vous pouvez y aller. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme véhicule, mon lieutenant? Alors là, actuellement, vous avez des bateaux juste à côté qui vous permettra d'aller sur site. Et sur site, vous aurez déjà un convoi de véhicules qui vous attendra. Donc plusieurs MV blindés, un camion si jamais on est en surplus, mais je pense que ça ira. Et voilà. J'ai envie d'aller au petit coin, chef. C'est bon, t'as fini? On va mettre ça sur le compte de la peur, ok? Hey, Kenny, bien, cut le stream, poulet. Je veux dire où est-ce que nous avons nos dernières données. Cut le stream, ça foire tout autrement. Puisque t'es sur le stream, puisque tu viens alors de voir ça, cut le stream. Nous sommes, il ne répond pas in-game. Du coup, sur l'île au sol qui se trouve actuellement en 0-3. Un négatif, mon lieutenant, ça ira là. Ils sont complètement encore flingués par le voyage là. Laissez-moi, faites-moi le brief tranquille. Si ça vous dérange pas, bien évidemment, mon lieutenant. Bien sûr. Les autres là, allez vaquer à vos occupations là. C'est qui le moins con d'entre vous là? Qui est-ce qui a le plus d'expérience? Qui est-ce qui a déjà une expérience du feu là? Personne n'est parti en OPEX ici là? Non. Ah ouais, Grumpy, ok, Grumpy, tu t'occupes, c'est toi le responsable, ok, tu t'occupes de tes 4 camarades là. Bien reçu. Ah, pour le moment, il n'y a rien là, je viens vous briefer juste après. Allez, let's go okay, là, c'est plus souvent. Très bien, alors ouvrez votre map. Ah merde. Alors normalement ce que vous voyez, du coup nous sommes en 0302. Attends, frérot. Sur l'île au sol. Si je me mets en clavier comme ça. Ah désolé mon lieutenant, j'arrive pas à retrouver ma carte là. Peut-être que je l'ai perdue pendant deux petites secondes.
Je regarde dans mon sac. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi j'appuie sur M, je l'ai pas? Je l'ai balancé? Je l'ai balancé. Elle doit être dans le menu normalement. Vous permettez, dans mon lieutenant, elle doit être dans mon pactage. Bougez pas, je reviens dans quelques petites secondes. J'arrive. Ah, je dois pas l'avoir. Ça a rien à voir avec le fait de l'avoir mis en français ou pas. Il y a des maps là-dedans? Ah ouais, ok. Ah ouais, j'ai vraiment plus rien, quoi. Tac, tac. Ok, la montre, le machin, le truc. C'est quoi, c'est une gamelle ou une mine? Ah ouais, c'est une mine. Zbrabra. Ok, brave. Ok. Bon, ça devrait aller, je pense que j'ai tout. Ah mais non, mais j'ai plus rien en fait. J'ai plus rien du tout, donc j'ai plus ça non plus. Parce que j'ai changé de sac. Putain, parce que j'ai dû changer de cuss en fait. Eh ouais, j'ai mis un truc avec... On va prendre ça. Le tourniquet. Ça. Je sais pas combien il en faut de ces merdes là. Ça va pas peser lourd. Oh, la solution saline. Ah non, mais non, il va y avoir un médic avec nous. Blagreux. Il faut quoi autrement? T'as plus de sac même du coup. Ça, je pense. Ouais, mais c'est pas grave, je l'ai mis dans le gilet au pire. Ouais, mais là, je viens de me niquer, les gars. Non, mais ça allait. Bon, c'est bon, je viens de le récupérer. On s'en fout, en soi, ça ira. La map, elle est bonne. Bla bla bla. J'ai pas besoin d'un sac 3 jours. Il me fallait juste tout ça là. Ça devrait le faire. Allez. Ah, désolé, mon lieutenant. Ah, putain, la vache. Ah, désolé. J'arrivais pas à remettre la main dessus. C'est bon. Je vous écoute. La boussole. Très bien. Donc, vous voyez, actuellement, on est en 031 022. Je sais pas si vous voyez la position sur l'île. On est sur l'île au sol. Ouais, bien pris. Vu. Très bien. Alors, vous allez prendre les bateaux qui sont juste derrière. Et en fait, avec les bateaux, vous allez aller direction plein nord pour aller exactement en 032. Attendez, 032, 036. Ouais, bien pris. Je vois, ouais. Actuellement, il n'y a pas de point sur la... mais quand vous serez sur le bateau, n'hésitez pas, quand vous rapprochez du point, n'hésitez pas à regarder la carte. Normalement, vous aurez un objectif sur la map de votre bateau qui vous indiquera où c'est exactement, pour être plus précis. Ensuite, là-bas, vous aurez un convoi. Vous prendrez votre le convoi et vous suivrez la direction plein nord. Vous vous montrez dans les montagnes. Ensuite, est-ce que vous voyez l'intersection, la première intersection, un peu plus au nord, qui va sur la gauche et sur la droite? Ouais, mon lieutenant. Exactement en 033. Ouais, c'est bien, c'est voilà. Vu. Bah, là, il faut aller du coup sur la droite, continuer plein nord. Continuer plein nord. Ensuite, la prochaine intersection, vous tournez sur la droite. Et là, vous continuez tout droit jusqu'à la route principale. C'est les dernières infos qu'on a eues par rapport à notre convoi. Le dernier contact radio, c'était dans cette route-là. Ouais, d'accord, mon lieutenant, mais juste petite question. Pourquoi il est vraiment important pour nous de suivre la route? Vous aurez pu. Oui, parce que c'est le convoi. Parce que c'est juste le convoi par où il passait le convoi en fait. Normalement, avec vos véhicules, si vous rapprochez de la zone, vous aurez automatiquement sur votre véhicule un point qui indiquera le chemin un peu plus précis. Ah, ok, donc excusez-moi, à partir du deuxième embranchement qui se trouve 033-044, grosso modo, ce deuxième embranchement là, à droite toujours? Oui, c'est ça, à droite. Okay, et donc là, vous continuez tout droit jusqu'à la route principale en jaune. Ok. Ensuite, là, vous continuerez tout droit jusqu'à la ville. À droite, pardon, vous tournerez à droite jusqu'à la ville Morton.
quand vous serez à Morton, normalement, il y a un avant-poste allié. Donc, vous ferez la jonction là-bas et vous me tenez informé sur ce qui se passe. Si le convoi est déjà passé, s'il n'est pas passé, s'il y a nos hommes qui sont là-bas, parce qu'on n'a pas de contact avec eux, vous me ferez un citrait de ce qui se passe, de la situation. Et à ensuite, Morton, on ne sait absolument pas, on sait absolument pas ce qui se passe à Morton. Normalement, c'est ami, mais on ne sait pas. Voilà, c'est ça, on ne sait pas. Ensuite, après, quand vous aurez fini par rapport à Morton, vous continuez la route jusqu'à la base militaire qui est en 075-043. Vous pouvez continuer jusqu'à la route principale. Vous voyez, site militaire, c'est écrit. Mon lieutenant, là, je me permets. Est-ce qu'il est possible, à la limite, suite au citrep qu'on fera à Morton, de redonner une suite aux ordres, d'accord ? Oui, c'est ça. Bah, en fait, par rapport à ce qui se passe, si vous avez le convoi et si entre-temps on a du contact avec la base militaire, bien sûr, là, tout peut changer parce que la situation sur l'île est très mouvementée. On ne sait pas trop ce qui se passe. On est un peu perdu, c'est pour ça qu'on a envoyé ici. Et le but, c'est vraiment en priorité le convoi et deuxièmement la base militaire. Ça veut dire que même s'il y a du contact à Morton et vous savez pas ce qui se passe, si vous faites engager ou je sais pas, votre mission n'est pas de tenir la ville. Votre mission est vraiment de rejoindre la base militaire. Donc de toute façon, dans tous les cas, vous me rendrez compte en radio et je vous dirai quoi faire à ce moment-là. Attendez, mon lieutenant, pour être sûr de bien avoir compris, on s'arrête à Morton. Qu'est-ce qui se passe si on est sous le feu? Si le sous le feu, vous vous arrêtez à un endroit, vous essayez de clear un peu la zone sans défendre. Si bien sûr les ennemis sont, s'il y a des ennemis qui sont trop nombreux, dites-moi un rapport. Enfin, dites-moi à la radio parce que je dispose d'une puissance de frappe. On a notre artillerie qui, on a notre, pardon, excusez-moi, notre naval, notre groupe naval qui est à côté et qui pourra donner un appui au niveau de l'artillerie. Donc si vous avez besoin d'aide, on peut envoyer de l'artillerie et on pourra envoyer du renfort à ce moment-là. Mais faut qu'on soit sûr de ce qui se passe. Très bien, bien pris. Et, excusez-moi, je vois que vous êtes, vous avez pas la lampe allumée. Je sais pas si vous pouvez. Non, tout est bon, tout est bon. J'ai de très bons yeux, mon lieutenant. Très bien, très bien. Par rapport au trajet que vous m'avez donné, il y a quand même un trajet qui, dès qu'on arrive, qui partirait. Il y a quand même différents trajets qui sont possibles pour aller jusqu'à Morton. Pourquoi est-ce qu'il est si important de suivre l'itinéraire que vous avez donné, mon lieutenant? Jusqu'à la route principale, c'est comme je vous disais, c'est juste pour pour récupérer ou retrouver le premier convoi. Le convoi qu'on a envoyé, parce qu'on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas ce qui s'est passé. Votre mission, la première, c'est une mission de recherche, donc vous retrouvez le convoi. Si le convoi il est sur votre chemin, vous me faites un compte-rendu à ce moment-là, je vous dirai quoi faire. S'il n'y a pas de convoi, vous continuez jusqu'à Morton. Et après, de Morton jusqu'à la base militaire. Ok, bien prêt, mon lieutenant. Est-ce qu'on doit s'attendre à des engins, des IED, des mines, etc. Je vais être franc avec vous, on m'a pas pu s'informer de ça, je sais pas trop ce qui se passe. Ah ouais, soyez franc avec moi quand même. Faites attention au cas où, roulez comme s'il y avait un danger, mais soyez aux aguets, mais je pourrais pas vous dire s'il y a de l'IED en chemin. Alors vous savez, mon lieutenant, souvent quand c'est la guerre, j'essaie de rouler comme si c'était un danger, hein. Vous savez vous avez raison, genre vraiment ne prenez aucun risque, genre soyez prudent. Genre j'ai déjà perdu, enfin je n'ai plus de contact avec mes troupes là-bas, je n'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose et qu'on doit, j'ai juste pas envie de perdre une autre unité si jamais l'ancienne unité est perdue, parce que je n'ai vraiment aucun contact, c'est vraiment très bizarre, genre de vous à moi, je vous le dis, hein, parce que les autres sont pas à côté, je le sens pas, c'est pas la première fois que les rebelles peuvent nous font un coup sur les radios, les com radios, je sais pas ce qui se passe. Ok, mon lieutenant, ça marche, bien pris. C'est très clair. De combien de véhicules je dispose, du coup? Je peux prendre deux pneumatiques, un seul? Là, je pense que vous êtes assez pour être dans un seul. Et si jamais pour les MV, vous verrez sur place. Normalement, il y en a plusieurs qui restent. Ok, c'est tout bon pour moi. Merci, c'est parfait, mon lieutenant. Impeccable. Très bien, bonne chance. Et si jamais vous avez quoi que ce soit, contact, n'hésitez pas à me dire par radio. Et surtout, j'ai de l'appui qui pourra vous aider. J'ai de l'appui aérien, donc n'hésitez pas à me le dire. Parfait. En avant. Test radio. Test radio, il est en train de faire.
Alors attendez, il m'a dit quoi tout à l'heure? Non, R pour démarrer et après. Sergent-chef? Oui, excusez-moi mon lieutenant. Ouais, j'étais en train de justement d'installer la radio. Pas de soucis. Pour information, vous serez au nom de code Alpha. Ouais, et pour sur quel canal resterez-vous? Je pense que je resterai sur la 32. Ok. Bref, on va rester tous sur la 32 pour être sûr qu'il n'y a pas de problème radio. Ok, bien pris. Vas-y, c'est relou ça. Ok, on est bon. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il me fallait? Il me faut absolument un compas. Enfin, un compas, truc. BM. Merde. BM. 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 Ok, dans les poches. Hop là, ça c'est déjà fait. Zblam, Alice Grenadier, on est bon. De la jumelle, pourquoi pas. On est à combien en poids? 8%, 36% là-dessus. Ah, on s'en balèque. Ah, c'est ça qui pèse lourd. En même temps, on va pas le mettre dans le pantalon. La lampe. La lampe, et je pense qu'on est pas trop mal. Une fréquence de dégagement, lieutenant. Ouais, là, c'est. Je pense qu'on n'en est pas là, mon cher Victor Loval. Ok, rassemblement, tout le monde. Allez, tout le monde dans la hutte orange, là. Eh, vous allez me chercher les autres, s'il vous plaît. Comment s'allume la lampe? F comme flashlight ou pas du tout? L comme light? Ah, ça va. C'est Reforger, les gars. Ici, là. Wow, 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 wow. Allez, l'intérieur, là, ça sert à rien de se mouiller pour rien, là. Ok, bon. Est-ce qu'on a un médecin, là, dans ce qui nous reste, là? Oui. Grumpy, est-ce que t'as fait... ouais. Allez, soldat, est-ce que t'es... T'as fait quoi avec les gars, là? Est-ce que t'as vu... est-ce qu'on a tout ce dont... On a un médic, on a Tricky, qui a le nécessaire en médic, et après, bah, je vais faire un topo avec les mecs pour les ordres, etc. Comment bien s'exprimer par rapport à vous et puis par rapport en général. Ok, mais c'est parfait. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait conduire l'un des... l'un des pneumatiques, là? Négatif. Il n'y a pas un pack là qui a son permis? Il y a un petit peu d'expérience, chef. Un peu d'expérience. Ouais, mais parfait, c'est exactement ça qu'il nous faut, de l'expérience. Ok, on va en prendre qu'un seul, du coup. Combien on peut monter là-dedans? Deux secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a la place, normalement, non? Ils sont jolis, les semi-rigides, là. Je pense qu'on pourra un, autrement, au pire, on en prendra deux. Ok, bon, ouvrez votre carte. Bon, c'est relativement simple. Là, on part directement. Vous voyez tous où est-ce qu'on est? Affirmatif. Ouais, 031-022. On est du coup sur l'île au sol de à Tolvast. Ce qu'on fait, on prend l'un des semi-rigides. On tape direction plein nord. Plein nord, plein nord, plein nord. Et on va arriver du coup en 032-036. Je sais pas si vous voyez. 032-036, c'est le seul endroit où on a un chemin carrossable qui arrive visiblement juste à côté de la plage là. Enfin, on s'attend à une plage, je sais pas à quoi ça va ressembler, ouais, mais à mon avis, s'il y a un chemin carrossable à côté, on peut s'attendre à ce que ce soit pas forcément, qu'il n'y ait pas forcément des grandes falaises quoi. C'est quoi la topo là-dessus? Non, c'est bon, ça va le faire. Bon, bref, on arrive ici,
Le but du jeu derrière, on reste pas là-bas comme des bites en cire, ok? Et on tape plein nord, ok? Bien pris. Plein nord, il y a deux routes. Donc la première, plein nord. La deuxième intersection qui est plein nord, pareil, on continue plein nord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que du coup tout le monde est à la troisième intersection qui est à 0,33, 0,34, 0,44 grosso modo, vous la voyez? Oui, chef. Parfait, nickel. Main courante à droite, on reste tout le temps à droite, on prend à droite. Et d'ailleurs on va faire un énorme tout droit et on va taper l'espèce de départemental, on sait pas trop ce que c'est là. Mais en tout cas visiblement une route goudronnée, la route jaune. C'est ça le but. Ok, bien pris. Ok, okay. Le truc c'est que visiblement ce qui doit nous attendre là-bas ou ce qu'il y aura sur cette route à un moment, c'est un convoi. Le but du jeu, choper le convoi et partir sud-ouest, sud-est, plein sud-est à Morton. Morton, on est en 052 040 040 grosso modo. Vous voyez Morton? Affirmatif. Et là on a perdu tout contact avec ce qui se passait là-bas. Visiblement on a des alliés, mais c'est pas sûr. D'accord? Donc on essaie de voir ce qui se passe. Visiblement c'est totalement la merde. Comme vous le voyez, de toute façon, on n'est plus que combien là? 5, 6, c'est un peu la merdasse, on va pas se mentir. D'accord? Donc on fait gaffe à notre cul. D'accord? On va voir là-bas, on check ce qui se passe. On fait pas les. Si on commence à être pris à partie, attention, d'accord? Soit on tape le premier bâtiment et on fait des bons en avant en considérant que c'est relativement cool pour nous. Soit autrement, on abandonne totalement Morton. D'accord? Et je demande au lieutenant un tir d'artillerie sur Morton. Et Morton, on raye ça de la carte. Derrière, on part directement à l'est. Et derrière, vous voyez Lévy en suivant toujours la route. Autant pour moi, vous avez le site militaire qui est en 075-043 et qui sera réellement l'endroit dans lequel on doit se rendre. Reçu, chef. Pourquoi est-ce que je vous parle du site militaire directement? Parce que je me suis dit, le top, ce serait qu'on s'arrête à Morton, ok? Qu'on prenne connaissance de ce qui se passe, qu'on voit, qu'on s'adapte, que je fasse un appel radio au lieutenant pour voir avant de progresser vers le site militaire. Mais il y a quand même, hein, il y a quand même le pire des scénarios, c'est qu'à Morton, on n'ait pas le temps de s'arrêter, ok? Et j'ai pas envie que y en ait un d'entre vous qui se perde. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc du coup, je réfléchis en même temps, deux secondes. Non, ça ira comme ça, c'est parfait. Bon, on est un petit groupe, d'accord? Personne se perd. Bah, de toute façon, chef, on peut faire deux groupes de trois. Hein. Ah, je suis pas super favorable à ça. Vas-y, dis-moi ton idée. Un premier trio de tête, vous au milieu, un deuxième trio en arrière, on peut en avance comme ça. Comme ça, vous êtes au milieu et vous devez vous guider la troupe. Parfait, ok, ça marche. On est bon les gars, let's go, en avant, qu'on profite encore là, on est entre chien et loup, là ça va, c'est pas encore la tombée de la nuit, même si le temps est dégueulasse, mais on y va, en avant. Je sais pas ce qui nous attendra là-bas. Canal radio pour tout le monde. J'ai oublié. Entendu. Bah non mais j'ai rien dit, je suis en train de regarder. Ah mais j'ai pas dit, tu me dis entendu, tu me dis reçu fils de pute, je te dis canal radio pour tout le monde, je te donne même pas la fréquence du canal, tu me dis reçu toi. Eh les gars, je sais pas si c'est la marée qui vous rend con, mais c'est chaud quand même. Bon bref, canal 32, ok, c'est bon pour tout le monde ça? Affirmatif. Ok, le lieutenant est dessus, donc attention avec les blagues un peu graves là. C'est bon pour tout le monde? Ok, let's go. Qu'est-ce que tu fais allongé toi? On t'a pas demandé de t'allonger? Non, baisse ton arme nom de dieu. Putain la vache. Putain lui il est vraiment... Et lui j'en veux pas lui hein.
Et vous, lui, vous me le mettez devant, ok? Non, vous me le mettez tout devant, lui, là, le Kenny, là. Il va pas derrière moi, lui. Ouais. Excusez-moi, je peux prendre des médicaments encore? Pourquoi t'as quoi? T'as la diarrhée encore? Non, non, c'est pour vous, c'est des soins, quoi. Je suis le médecin. Ok, pourquoi tu m'éclaires, là? T'es un interrogatoire, enculé, ou quoi? Désolé, je suis tendu. Ouais, bah, prends un médicament pour te détendre. Vas-y, allez, cherche, okay, là, let's go. Oui, toi, tu passeras de tête, tu seras le véhicule de tête avec Kenny et puis Alexis. Ouais, là, je pense qu'on prend qu'un seul pneumatique, les gars. Ah, ok. Bon, bah. Il faut quelqu'un à côté de moi pour guider Alexis. C'est un soldat, là, Kenny, là. Tu me prends la 12-7, là, qui est devant. Aussi, chef. C'est quoi une 12-7, sergent Kenny? Soldat Kenny? C'est la grosse mitrailleuse devant. Ok, pourquoi tu chantes quand je te parle? Chante pas, chef. Je préfère. Eh, t'es un fumeur de hakik, toi, ou pas? Négatif, chef. Tu m'as l'air un peu défoncé. Chef, vous êtes en train de sautiller, chef. Eh, je suis extrêmement excité au combat, moi. Moi, je me nourris à l'adrénaline, c'est le combat, ok? J'ai envie de niquer des mecs, ok? J'ai envie de rendre des femmes veuves. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'adore tuer des gens. Oui, chef. Et c'est pour ça que je suis un peu excité, là. Toi aussi, t'aimes tuer des gens ou pas, Kenny? Oui, chef. Et t'aimes tuer qui? T'aimes tuer tes petits collègues? Non, chef. Alors c'est la dernière fois que je te surprends en train de pointer ton arme vers quelque chose que tu peux pas détruire et ça inclut tes collègues. Est-ce que c'est bien compris? Affirmatif, chef. Parfait, j'aime quand tu me parles comme ça. Let's go sur la 12-7, en avant les autres. Double contrôle, Alexis. Ouais, t'as pris tes médocs? Ah ouais. Double contrôle pour ton arme. Merci. J'ai quoi à prendre? La morphine? La solution... Ah, pas la solution saline. Des bandages? Ah ouais, j'ai rien du tout, frérot. Putain, la vache, c'est chaud. Bah ouais, j'ai tout rendu. Où est-ce que c'est? Oh, c'est vraiment mal rangé leur truc, ils peuvent pas faire un petit dossier là, ces fils d'up. C'est quand même pas dur. Le v'là. Nice. Ça, c'est les bandages. Je vais en prendre deux. Ça peut aller là, je pense. Yes. Quoi d'autre? Morphine, j'ai déjà. On est bon, non? La boussole, elle est là. La boussole est là. On est bon. Garrot? Ah, le tourniquet. Il est là. Allez, qui pilote ça là? Moi, chef. Putain, qui s'est garé, qui s'est mis aussi loin là? Vous avez jump là? Ah, ok. Allez, en avant. T'es sûr que t'as ton carni? T'es sûr que t'as ton truc, toi? T'as ton BMC? J'ai dit que j'avais un petit peu d'expérience, chef. Un petit peu. Mais c'est quoi ton expérience, enculé? T'as fait 3 heures de kayak, Ayek? Tu t'es dit c'est bon, quoi. Ok, toi, ouais, t'as plein d'or, s'il te plaît. Non. Ouais, c'est bon, il check son combat, merci. T'es pas vraiment plein d'or, là.
aller un peu plus sur la droite. Là. Non, là, non, tu tapes. Et attention, attention. Ah, le convoi est là, le convoi est là, le convoi voilà. est là, c'est pour nous ça. Voilà. Doucement à l'approche, doucement à l'approche. Et on désembarque directement, on coiffe l'objectif et je veux tout le monde. Je veux une seule personne qui inspecte le matériel et c'est moi, les autres vous allez vous mettre en position en haut de la colline là, au niveau de la forêt. Let's go, go, go! Ah ouais, à la nage, carrément! Vas-y, mais tu t'es garé comme une pute! Eh, l'essence, enculé! Descends! Je sais pas nager! Ah, vous avez l'air bien con là. Ben, ça te fait marrer toi. Putain, mais qu'est-ce qui m'a fait des débiles pareils, sérieux. Je suis en position la colline. Ok, il faut un mec qui fasse la sortie arrière. QG pour Alpha. Vas-y, dis-moi qu'on peut monter là, c'est pas sûr. QG pour Alpha, chef, je vous entends pas. Si vous voulez, vous pouvez vous aider du rocher, devant moi. Alpha pour QG. C'est pas super. Ah, avec la marée là. Ah, vas-y, putain, et voilà, 2 heures pour sécher maintenant. Eh, ça sert à rien de regarder les autres, toi. Eh, tu vas arrêter d'appuyer à chaque fois ce... Eh, tu vas me baisser ton arme, espèce de gros fils de pute, ou je te jure. Eh, c'est le peloton d'exécution, ok. Tu vas te mettre en haut, là, là-bas. Tu vois la colline, là-bas. Tu y vas, ok. Et tu vas pointer vers autre chose que t'es... Chef. Ouais, 6-4 Alpha, mon lieutenant. 6-4 Alpha, 6-4 Alpha. Fuck. Par ici, ici on arrive à sortir. Attends, c'est. Je vous reçois, 6-4. C'est quoi son nom Ouais, Alpha, squad leader. Alpha, squad leader. On est bien arrivé du coup, bien arrivé sur place, on vient de retrouver le convoi en 032-035, mon lieutenant. Pour le moment on est en train de... Ouais, on est en train de juste de prendre compte, de rendre compte de... Je suis désolé mon lieutenant, et là, vous m'avez vraiment refilé les pires, on en reparlera, mais là, je suis frigorifié. On vient de faire un début de mission assez chaotique. On est en train de voir le type d'équipement qu'il y a dans le convoi. Je vous fais un compte-rendu d'ici 5 minutes, mon lieutenant, terminé. Putain la vache, il y a toute l'armée américaine là. Combien on est? Putain les hommes vides, ils déconnent zéro. Waouh. Les gars, on a un mec qui s'occupe de la sûreté arrière.
Ouais, je suis toujours au niveau du convoi pour le moment. Ok, bien pris, chef. Ouais, 6-4 à APC, 6-4 à APC. APC, j'écoute. Est-ce qu'il faut qu'on ramène tout le convoi? Le convoi me semble assez disproportionné par rapport au nombre de packs que j'ai à ma disposition, mon lieutenant. Terminé. Négatif, prenez juste ce que vous avez besoin. J'aurai une autre squad qui viendront chercher, récupérer le reste. Bien pris, terminé. Ok, tout le monde là, rassemblement autour des véhicules. Rassemblement autour du GMC là. Je sais pas si c'est un GMC. Ok, parfait. Bon, combien on est là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, ce qu'on va faire, laissez-moi réfléchir. J'ai besoin d'une personne pour amener avec nous le véhicule médical. Ok, il est où notre médic là? C'est moi. Ok, parfait, tu prendras le véhicule. Laisse-moi checker les... Bougez pas. C'est quoi ça? C'est une sortie d'échappement déportée? Ou c'est une radio longue distance? Pour aller dans la flotte? Ah ouais, d'accord, ok. Ah mais ça c'est un peu anachronique même. Ok, 1, 2, autant pour moi. VHF portable? Ok, merci poulet. Ok, elle est restée coincée. 1, 2, 2, 2, 2. Donc 3 et 3, 6 et 1, 7. Ouais, ça ira. Oh. Ok, bon, parfait. Du coup, on va prendre les deux MV de tête là-bas. D'accord, tout le reste, visiblement, ce sera pris et ce sera récupéré par une autre squad qui arrive et qui vient juste d'arriver derrière nous avec le lieutenant. Bref. Du coup, on prend les deux MV de tête et on prend le véhicule, le poste médical avancé, là. D'accord ? Reçu. Je serai dans le deuxième MV. Eskeni, 12-7 sur le premier. Qui conduira le premier ? Ok, pas tous à la fois, surtout. Attends, t'as pas demandé de partir, toi ? Qu'est-ce qui... Tu commences à me plaire, toi, sérieusement, là. Je suis motivé, chef. Ok, et regarde les autres, tu crois qu'ils sont motivés ou pas? Oui, chef, ils sont motivés. Du coup, est-ce qu'il y a capacité pour toi de garder ta motivation dans ton froc, d'arrêter de sauter comme une bite en cire et de rester en place pendant plus de 10 secondes sans faire de conneries? C'est possible ou pas? Oui, chef. Incroyable. Bon, comme je le disais, du coup, notre médic, let's go, là, tu peux y aller, là. Ok, chef. Que je vois. Et derrière, je vais dans le véhicule de tête, du coup. Ace Kenny. Kenny, du coup, sur la 12-7, qui conduit? Recto, tu conduis? Non, Grumpy, tu conduis. Tu conduis le premier, voilà. Les trois autres, du coup, dans le deuxième véhicule, ok? Vous nous suivez. Au-dessus, chef. Au-dessus. Enfin, vous allez suivre surtout le véhicule ambulance, là. Les deux premiers. Les gars, Kenny, véhicule de tête, c'est celui-là. Nom de Dieu! Contact! Quelqu'un me... Montez sur les 12-7, nom de Dieu! Grumpy, prends-moi la 12-7. Pas de contact visuel. PC à 6-4. PC, j'écoute. Ouais, on vient de subir je sais pas quoi, mon lieutenant. Grosse explosion à 200 mètres de la position sur laquelle on est à l'heure actuelle. On était en train de faire un compte-rendu. On était en train de checker les véhicules. Et grosse explosion à côté de nous. On sait pas ce que c'est. De l'artillerie peut-être. Pour le moment, c'est pas suivi de tir.
Mais voilà, terminé. Reçu, est-ce que y a du contact? Vous voyez des ennemis ou pas? Négatif. Négatif. Très bien, restez sur votre garde, faites attention, c'est peut-être une mine. Quoi? Une mine? Qu'est-ce qu'il raconte? Ok, PCA 6-4. Quels sont les ordres, mon lieutenant? Est-ce qu'on reste sur place ou est-ce qu'on avance vers la mission? Terminé. Avancez vers la mission, vous devez absolument trouver le convoi, c'est important, je veux savoir ce qui s'est passé. Faites attention, avancez doucement, mais si vous avez du contact, ripostez et prévenez-moi. Ok. Ah, il est sympa. Bien pris mon lieutenant, terminé. Allez, let's go, en mouvement, on reste pas là. Sérieux, ça sert à rien là. Des vrais aimants à balles. Ok, Grumpy, tu passes devant, tu passes en conducteur, je passerai en passager. Et Skenny, sur la 12-7 de tête. Et Skenny, sur la 12-7 de tête. En avant, quelqu'un qui le remplace là, ça sert à quoi là? T'es derrière là, voilà, passe sur la 12-7. Eh, le véhicule, vous fermez la marche tous les deux, ok? Le véhicule ambulance là, vous le laissez passer entre les deux. En avant. Eh, mettez vos phares. Let's go, 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 on reste pas là. Eh, fais gaffe aux mines sur la route, s'il te plaît. J'espère que t'as bien froid toi en haut là. PCA 6-4, PCA Alpha. Alpha, parlez. J'ai envoyé du renfort sur votre position, sur votre dernière position. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que c'était par rapport à votre position, les dernières explosions? Comme ça, je donnerai les ordres à la seconde, alpha, seconde squad qui vous suit. On a entendu qu'une seule explosion qui visiblement... Je ne sais pas, une seule explosion qui était à 100 ou 200 mètres de notre position. Derrière, du coup, on procède vers le... On est en route. Du coup, je ne peux pas vous dire et on n'a pas vu de contact, ni ennemi, ni ami. Terminé. T'es sûr de ta route, là? Négatif, est-ce que c'est possible? Faire un point en topo. Passe à droite, 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 tape droite, tape droite. T'arrêtes pas là. Point topo. Non, c'est bon, je l'ai. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a de la lumière là-haut là. C'est quoi cette merde là? Ah, visuel. Éteins les phares, cut les phares. Faut dire au Pax de derrière de faire la même. Ouais, véhicule 1 à véhicule 2 et 3. Bien pris. Ouais, éteignez les phares, éteignez les phares, éteignez les phares, terminé. Ça pète devant là. Ouais, face midi. Ouais, 11h, midi, ça pète devant, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Trace, 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 trace.
Véhicule en face là, hein. Explosé. On sort, je sors. Ah, merde, trop tard. Non, pas toi avec ta 12-7. Kenny, faut que tu gardes face midi, toi. Le moindre pack, ce que tu vois, t'allumes. Reçu. PC à 6-4. PC, j'écoute. Nous avons trouvé le convoi terminé, sommes à 60 mètres du convoi qui est encore en feu et qui est encore en train d'exploser visiblement. Comment ça en feu? Vous êtes en train de me dire que le convoi a été détruit? Négatif, pour le moment on a un seul véhicule visiblement en visuel. Eh, hey, t'as combien de véhicules en visuel? Très bien, sécurité Kenny. La zone. J'ai un véhicule, chef. Non, il y a un autre véhicule. Il y a une sorte de gros véhicule derrière la fumée. J'arrive pas à percevoir c'est quoi exactement. Ouais, visiblement on aurait un voire deux véhicules en feu. Impossible de pouvoir, vu l'état des véhicules, impossible de certifier qu'il s'agisse du convoi, mon lieutenant. Terminé, je vous donne ma topo dans 30 secondes. Mais non, non, impossible. Les gars, mettez-vous pas au milieu de la route. Restez derrière vos véhicules, derrière le blindage. Parce que là, s'il y a un mec qui arrive face midi, ceux qui sont au milieu de la route, vous allez vous faire enculer. Ouais, c'est ça. Capitaine, on devrait bouger, on est trop à découvert. Il y a aucun capitaine là, et tu utilises pas ta radio pour dire de la merde, s'il te plaît. Mon lieutenant. PC à 6-4, PC à 6-4 à PC, 6-4 à PC. Ok, sur à 9h. 6-4 à PC, 6-4 à PC, essuyons énormément de ce qui semblerait être des tirs d'artillerie terminés. Sur vous, vous avez des tirs sur vous. Merci Raison pour Biet alias Lucas. Sur nous, mon lieutenant, enfin en tout cas pas très loin, terminé. Ok, restez pas en position, bougez et essayez de vous mettre à l'abri. On sait pas d'où ça vient. Ok mon lieutenant, confirmation du coup de coiffer l'objectif et de passer derrière le convoi, ce qui semblerait être le convoi. Est-ce que j'ai la... Confirmation du coup de coiffer l'objectif et de passer derrière ce qui semblerait être le convoi. J'ai un visuel visiblement. On est sur effectivement un Humvee plus deux 4x4 de transport de troupes GMC ou peut-être plus qui sont clairement hors d'état de nuire. Terminé. Très bien, avancez sur l'objectif et donnez-moi un citrate sur tout le convoi. Bien pris, mon lieutenant. Okay, chef, termine. Depuis mon véhicule, là, j'ai visuel. J'ai deux véhicules. J'ai type GMC, GBC, un Humvee au loin. Et je crois qu'il y a encore un autre GBC plus loin, à peu près 100 mètres. Hey, j'ai pas de contact là. Hey, toi, avance ton ambulance là. Colle là à côté de l'autre Humvee là. Alexis là. Derrière là, pars dans la direction de mon bras s'il te plaît. Au sommet de la colline, je vois que dalle là. À droite, à tes 2 heures. Mais normalement Kenny, c'est à toi de rendre compte là au chef. C'est pas moi depuis mon véhicule qui doit te rendre compte. Toi tu vois tout en hauteur. Donc tu dois dire au chef ce que tu vois au plus loin. Bien compris. Du coup, tu vois quoi là en face de toi? 3 véhicules en feu. Explosion. Hey, chef, je vois d'autres véhicules au loin là-bas. L'autre, il est du père. Ouais, où ça? Je vois une Jeep et un camion qui porte une sorte de tourelle anti-air ou un truc comme ça, mais j'ai l'impression que c'est mort.
6-4 à PC, 6-4 à PC. PC, j'écoute. Mon lieutenant, pouvez-vous nous dire de combien de véhicules le convoi a été composé? Pour l'instant, on est en face visiblement de ce qui semblerait être le dit convoi. On a à peu près 5, 6, 7 véhicules de là où on est qui sont effectivement qui ont été mis hors d'état de nuire. On ne sait pas comment. Impossible que ce soit en tout cas des mines. Vu la disposition des 10 véhicules, ils sont toujours tous en ligne, mais aucun d'eux n'est récupérable. Et visiblement, pour l'instant, de ce qu'on voit d'ici, pas de survivants terminés. Reçu. Est-ce que. Alors, le convoi, normalement, c'était, je crois, 10 véhicules. 10 véhicules en moyenne. En moyenne, ah ouais. Est-ce qu'il y a des survivants? Pour l'instant, mon lieutenant, je peux pas répondre. C'est, le périmètre est pas encore sécurisé. Je peux pas répondre à cette question, mais si la mission est d'investiguer, alors nous investiguerons. Terminé. Très bien. Sécurisez la zone et faites investiguer sur ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui s'est passé, si on a des hommes en vie, essayez de les récupérer. Et je veux savoir ce qui s'est passé aussi, si vous pouvez aussi savoir qui les a attaqués. Si vous avez des éléments sur place. Bien sûr mon lieutenant, néanmoins je me permets quand même de vous rappeler avec tout le respect que je vous dois que nous sommes des grenadiers voltigeurs tout droit et fraîchement sortis de l'école nationale des sous-officiers d'active de France et on n'est pas le NCIS, terminé. Il est pas content. Oh fuck. Bon, et vous voyez quoi là? Et rendez-moi compte là sur le véhicule 2. Merci Raisin. Et Raisin, merci mon poulet. T'es un monstre poulet si t'es là. Merci Amron pour les 3 mois. Chef, vous voulez qu'on avance? À pied? Deux sentinelles. Après, on peut y aller en colonne. Hein. Deux non, colonnes, on va y aller en colonne. Eh, Vic! Eh, hey, le véhicule 2, vous recalez derrière nous, d'accord? Vous vous remettez derrière nous. Inutile pour le moment d'avoir 3 personnes qui soient dans le MV. Il va falloir investiguer le convoi, ok? Donc on va le longer. Une seule personne sur la 12-7, une personne dans le MV pour le conduire, et l'autre reste dehors, ok? Mon lieutenant, 6-4 à PC, 6-4 à PC. J'ai un pack ça ce midi, avec une lampe torche, tu le vois Kenny? Négatif. À peu près 5 Affirmatif, mètres. Je vois. Ne tirez pas, que si on nous tire dessus. Reçu chef, en joue. J'arrive pas à voir si c'est un allié ou un ennemi. Kenny, hey, colle à droite, colle à gauche, ouais, gauche, vas-y, écoute, ouais, t'as raison. Il est midi. Mais mets la 12-7 face midi. T'arrives à voir c'est chef. Quoi son en joue. Uniforme? Négatif. Chef, quelle est la conduite à tenir? Va falloir qu'on avance de toute façon. Impossible pour toi de voir l'uniforme, j'imagine? Négatif. Personne a des putains de jumelles là? Si, j'en ai sur moi, chef. Je vois pas la lunette, chef, je vois rien. Ok, je regarde avec mes jumelles. Je vois plus le Pax. Je le vois plus. Tu le vois toujours toi Kenny le Pax? Il doit être à droite du quatrième véhicule. Il y a un char face midi hein, qui a été neutralisé. Affirmatif. Ouais, mais ça faut le dire Kenny, ce que ça fallait le dire dès le début. Ok parfait. Bon tout le monde m'entend là? Oui, affirmatif. Ok super. Ce qu'on fait, premier MV, véhicule 1, on fait main courante à droite, ok? On passe à gauche du convoi, main courante à droite, véhicule 2 qui colle au cul. Et tout le monde, personne derrière le véhicule 1, tous ceux qui sont pas dans le véhicule, donc qui sont soit pas le conducteur, soit pas la 12-7, vous vous mettez au cul du convoi, ok? Reçu.
Un conducteur dans le véhicule 1, le 1 sur la 12-7, même chose sur le véhicule 2, le reste derrière on colle au cul. En avant, tu peux y aller, doucement. Vas-y, véhicule 2, colle-lui au cul, let's go. Ok, le Pax face midi, il s'approche de nous, il a la lampe allumée. Lampe torche allumée. Ne tirez pas, ne tirez pas. Ouais, je vois. Passe à gauche, hein. Main courante à droite. Passe à gauche, main courante à droite, enculé de ta race, mais c'est pas grave. Ok, non, que... attention aux mines. Chef, hostilité, face aux armes. Qu'est-ce qu'il est con. Oh la vache, putain, qu'est-ce qu'il est débile. Ok, let's go. Et non, pourquoi je suis devenu black? C'est possible d'avoir une... genre la, à peu près la même personne. Ok. Bon, on va y aller, mais j'ai pas mon matos du coup. Il peut pas me ranimer. Il va me réécraser ce fils de pute. Oh. Ouais, là on voit aucun visible. Putain. T'es mort, mort là. Alpha. Alpha à PC, pardon. Yayo, tu leur dis que tu renvoies un nouveau chef de secteur. Un nouveau chef de section. Un nouveau. Nom de Dieu, ça tient. Ils vont dire que je suis mort. Yayo, tu m'entends? Je suis en Discord. Putain. Alpha à PC est mort. Ouais. Tu m'entends sur Discord? Ils vont dire que je suis mort normalement parce qu'ils m'ont écrasé, ces fils de pute. Donc ouais. Donc, ta radio au pire. Ouais, mais dis-leur ouais, je vais essayer. Mais dis-leur, enfin tu leur dis qu'il y a un nouveau chef de section que vas-y, j'arrive, j'arrive. Enfin, pas un chef de section, pardon, je suis vraiment fatigué, j'ai faim. Un chef de groupe, que tu leur envoies un chef de groupe. OK, je leur dis. Sergent chef de section. Ouais, c'est ça, désolé poulet. Là ça c'est moi. Les gars, je sais pas ce que c'est que d'être sergent moi. Alpha à PC, contrôle radio, parler. Faut que tu leur répondes, Yayo, là. Alpha à PC, contrôle radio, parler. Il y a du mouvement sur notre gauche. À 9h. Numéro 2, recule, s'il te plaît, recule. Ah, recule, mais pas trop, quand même, fils de pute. Recule, histoire que j'ai une vue derrière les buissons. Oh, regarde derrière toi, t'as fait une phase. Ok, j'ai essayé de contacter le PC, j'ai pas de nouvelles. T'as cru quoi, fils de pute? Allez, c'est dis. C'est qui est sur le deuxième véhicule là? En fait, j'ai un bug là avec mon perso, je peux pas bouger. Mettez-vous sur la colline là, le mais deuxième radio véhicule. Qui... Mets-toi sur la colline là, prenez de la hauteur. Je peux même pas parler radio, attends, faut que je descende. 7, regarde face midi si tu vois des mecs. Mais pas les deux MV, un seul les gars. Dépêche-toi parce que c'est le bordel là, ça nique tout là. Ah, je t'ai défoncé hein. Si c'était toi. Ecto et Cookie, venez derrière le mais, bord. Oh, mais... les gars, sérieux. Chef, j'ai votre radio.
Chef. Chef, j'ai récupéré votre radio. Je vous la pose. J'ai essayé de contacter le PC, j'ai pas de nouvelles. Du coup, Kenny, là, de ta tourelle, qu'est-ce que tu vois sur la face midi? Parce que là, t'es en train de regarder derrière. Oh, y'a vache! Oh putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait rigoler! Putain, et puis là, on a un mec qui est seul. Vous avez écrasé deux Pax, les gars, sérieux! Il est où le Toubib? Je suis dans le véhicule. Ok, bah le Toubib, toi, tu. Ah mais ils répondent pas à radio en fait. Mais ouais, parce que je pense pas qu'ils aient la radio, parce que t'as pas la radio longue distance. Là, c'est pas normal qu'on putain, et c'est quoi ce bordel là qui est en train de se passer là? Putain, de bordel de merde là. Ok. Déjà là, celui qui m'a reculé dedans là, sérieux, putain. Non, et j'ai la jambe complètement niquée. Ok, non mais je savais pas qu'il était mort. Enfin, je savais pas si tu pouvais le sauver. Il est bien mort. Il récupère la radio, c'est ça. Ok, du coup là. Ouais, celle que t'avais, la longue distance. T'inquiète. Je sais pas s'il me l'a déposé. Ok. Il me l'a mis sur moi ? Non, il peut pas la mettre sur moi. Je pense qu'il arrive pas avec la tourelle. Au pire, c'est y en a qui sont capables là, de prendre la tourelle à la place de Kenny. Et Kenny, au pire, tu passeras pilote, ce sera mieux. Parce que là, j'ai l'impression à la tourelle, t'as du mal. Chef, vous avez changé. Ouais. Ouais, j'ai pris des pôles échappement dans la gueule là, quand il y a un connard qui m'a reculé dessus là. Qui est-ce qui s'occupait de la radio avant là? Et qui est-ce qui peut me donner une radio là? Chef. Il me faut une radio longue distance. Ouais, ouais. Attendez, venez chef, je l'ai posé juste avant. Super. Nickel. Allez. Ouais, ouais, on a changé. Mis au sol ici. Ouais, vous l'avez mis au sol. Ouais, où ça? Regardez, normalement, derrière le feuillage, sur la table. Elle est à côté du coffre normalement si vous faites ah. Ok c'est bon, ah vous oui, sur oui. le fameux la le fleur fameux de buisson oui, le tabus Moridus. Ah le fils de pute. MDR, le tab qui arrive en plein milieu du truc. Oh. Tu sais moi je suis comme si j'allais pas comprendre s'il me disait un truc du genre cette plante est un tabus Dramacus, qu'est-ce qu'il est con. Ok, bah. Le fameux buisson. Chef, quels sont vos ordres? Oh, nique ta mère. Ok, what the fuck? Ok, bon. Visiblement. Deux petites secondes. PC à 6K, t'as PC. Ok, les autres, ce qu'on va faire, on va se poster. Derrière chaque, on va se mettre, on va faire un 2-360. On va se poster chacun de un face midi, un sur la droite. Okay. Bah y'a Kenny qui reste à la 12-7. Un mec qui check le deux back, radios. Un sur la et gauche. Coup, ça me et comme ça, s'il y a un mec, on rend compte si de ce que vous voyez. Mais si je fais R. J'ai toujours rien sur la route. Et R. Et là je fais R. Alexis, toi t'as face midi. Et que je monte. C'est 32, ouais, c'est non okay. Yep, bah le même que les autres. Ouais, t'inquiète. Oh. PC à radio, 6-4 à PC, 6-4 à PC. Parlez. Yayo, je te parle à radio là, frérot. Ah, je sais pas, je t'entends pas. 6-4 à PC, 6-4 à PC. Attends. En 32, non? Eh, hey, vous m'entendez à la radio ou elle est pétée la radio là? Ah, c'est bon. On vous entend, chef. On vous entend. 6-4 à PC. Ouais. Mon lieutenant, du coup, on a eu plusieurs. On a eu des petits soucis là, mais rien de grave, rien de grave. Ça nous a juste empêché de continuer la mission. On a été pris visiblement. Je vous entends toujours pas, vous êtes sur la mauvaise radio, je pense. Ça a coupé, chef, la radio.
Non, malheureusement, c'est à cause de l'orage, mon lieutenant. Mais non, je suis bien sur la bonne fréquence. Je suis bien sur la bonne fréquence. Mais sur la langue. Négatif, peut-être, je ne sais pas. Laissez-moi regarder, mon lieutenant. Je vous prie de m'excuser. Attendez, chef, c'est le bouton du bas. Attendez, je vous appuie sur le bouton. C'est bouton du bas pour longue fréquence. Vous avez oublié de. C'est à 6-4, test radio. Le bouton du bas. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si c'est là? Le chef règle sa radio. D'accord, bouton du bas. Bien joué, t'as remarqué. 32 là-dessus. PC à l'escouade alpha, si quelqu'un me reçoit. Affirmatif. Très bien, vous pouvez me rendre en situation, j'ai plus le chef. Ouais, non, c'est bon, mon lieutenant, c'est bon, mon lieutenant. Du coup, comme je le disais, normalement ça devrait plus couper. Je suis parti sur la sur la longue distance. Ok. Du coup, on a été pris visiblement à partie par, je sais pas, ce qui semblait être en tout cas une personne russe ou pris à partie en tout cas qui s'est approché dangereusement de notre groupe. Et qui a été traité. On n'a toujours pas du coup pris les renseignements et les informations par rapport au convoi. On va justement s'approcher du convoi pour voir ce qui s'y passe. Terminé. Ok, très bien. Répétez pour être sûr. Vous avez abattu des Russes. Ce qui semblerait être un Russe. Affirmatif. Vous tirez dessus. Négatif, mon lieutenant, mais néanmoins selon mes règles de droit et des conventions de Genève qui n'étaient pas... voilà, il avait l'air quand même très russe. Terminé. Très bien. Est-ce que vous pouvez sécuriser la zone, vérifier s'il y a des survivants? Et très important, dites-moi ce qui s'est passé s'il vous plaît, parce que je comprends pas qui a tiré sur qui. Et vérifiez si les soldats que vous avez tués sont bien des Russes ou des rebelles, parce que chef, ça peut changer la donne sur ce qui se passe après. On a un cadavre à gauche. Chef, j'ai regardé le cadavre, c'est un soviétique. PC à 6-4, apparemment du coup on nous confirmerait que l'équipement du Pax qui a été abattu et bien est un visiblement semble laisse à croire que il était plutôt russe que rebelle. Maintenant, peut-être que dans son comportement, il était plutôt rebelle et antisocial. Ça, je ne le saurais le dire. Néanmoins, il n'a pas perdu son sang-froid. Lui, terminé. Merci, Shrush en kiwi, d'avoir offert la possibilité à 25 personnes. T'es un monstre. Que de riposter, c'est ça. Merci pour Xenor 6. Affirmatif. Négatif, mon lieutenant. Négatif, mon lieutenant. Je dois vous avouer que il n'a absolument pas tiré. Qu'il s'approchait dangereusement de la section. Et partant du principe qu'il était équipé en russe, j'ai pris le choix de l'abattre. Terminé. Merci d'avoir offert la possibilité à 25 personnes de payer leur droit scolaire. T'es un putain de monstre. On en parlera entre nous, mais sur radio, j'ai bien. On avait plein de GG, plein de cœur pour lui. En premier. Continuez votre exploration sur le combat. Je veux vraiment savoir ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Bien pris, terminé. Ok, tout le monde, allez, on continue là. Est-ce que les deux véhicules sont toujours. Ok, parfait. Quelqu'un récupère le véhicule 2, véhicule 1 qui colle au véhicule 2. Et derrière, on fait main courante à droite, s'il vous plaît, le long du convoi. Hey, colonel! Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ecto! Ben, reviens ici, là! Très... Nom de Dieu, ça tire! Et c'était quoi, ça? Non, c'est des voitures qui explosent encore. Du GPL. Ok. C'est un rassemblement, les gars. Allez, let's go là. Est-ce qu'il y a un conducteur là dans le véhicule 2 là? Ecto, va prendre le véhicule 2. Va conduire. Vas-y, le véhicule 2. Ramène-le au cul du véhicule 1. Non, pas celui-là, fils de pute. Nom de Dieu, on en a rien à foutre de l'ambulance. Putain, okay, mais qu'est-ce qu'il est con. J'ai vraiment les pires cons avec moi. C'est pas possible, les mecs. L'autre véhicule, voilà celui avec l'arme dessus. Il y a déjà un conducteur, c'est bon.
Avec toi, du coup, tu vas prendre véhicule de tête, voilà. Allez, en avant. Véhicule 2, tu colles au cul du véhicule 1, main courante à droite, ça va aller pour tout le monde ou quoi? Ne vous écrase pas, hein. Monsieur. Ça veut dire que tu passes à gauche, fils de pute. Et va pas trop vite. Et ne recule pas, bordel de merde, on est derrière, ok? Doucement, ça passe. Oui, chef. Fais gaffe aux mines, parfait. Ok, peut-être qu'il est important pour moi de rappeler le principe d'un arbre, enculé de ta race. Arrête de rigoler dans la radio. J'ai oublié mes lunettes au camp, chef. Y'a un corps sur la route devant nous. Chef, y'a un corps. Pas trop vite, pas trop vite. Chut. Y'a deux corps. Deux. Merci, corps, hey, je rechange Kiwi. Vous l'avez spammé de GG et de cœur. Y'a encore beaucoup de cadavres devant nous aussi, là. Il y a eu beaucoup de morts. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5. Ah, du coup, on s'en fout pour ça. Le moment, on coiffe l'objectif. Hop, 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 on s'arrête pas là. Qu'est-ce que je t'ai dit là? Tu t'es pris pour qui là, sérieusement là? Dexter, si enculé. Si c'est inconnu, touche à ton cul. Non, recule pas, nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est là? Eh hey, rendez compte là, véhicule 1. C'était une petite mine, le véhicule n'a rien. Oh bordel. Nom de Dieu! Mais c'est pas des petites mines là. Direction, chef. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu tires à la 12-7 sur les mines là? Négatif. Putain, les gars. J'ai besoin d'une direction, 62. Chef. Tu continues toujours tout droit, tu t'arrêtes pas comme une bite en cire en plein milieu là. Ok, stop. Ok, Cookie, viens derrière le blindé. Ok, hey, j'ai besoin de deux personnes là. Colonel Cookie, Treki, vous allez m'investiguer, oui, s'il vous plaît, le site là. Il y a encore trop de mines anti-véhicules là. On va pas faire remonter le MV. Allez investiguer et vous me rendez compte. D'ici, vous avez 10 minutes pour aller me dire ce qui s'y passe, okay, ok. Vous essayez de savoir qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui s'est passé. Terminé. Okay. Terminé, je suis con, je peux en parler à la radio. Je regarde les. Eh, avance de 50 mètres là, va te mettre au niveau du. Va te mettre au niveau du virage là. Oui, chef. Pareil, ma courante à gauche là, tu me dis ce qui s'y passe. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, on est bon. Recule, 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 recule. Est-ce qu'ils ont tiré? Est-ce qu'ils ont tiré? Non, chef! Ils pointaient leurs armes! Comment ça, ils pointaient leurs armes? Ils nous menaçaient avec leurs armes! Et ça se trouve, c'est des chasseurs! Ils avaient pas la dégaine de chasseurs, chef! Vous voulez qu'on aille checker un chef? Eh, négatif, eh, je vous rappelle les règles d'engagement, ok? Tant qu'on vous tire pas dessus, d'accord? Vous ne ripostez pas, est-ce que c'est bien compris? Oui, chef! Compris, compris, chef! Eh, hey, Grumpy, reste avec eux là, s'il te plaît, là, ça fera peut-être un cerveau pour 3 personnes du coup. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Chef, mon collègue a explosé sur une mine. Eh bah, ben, tu reviens là, là! Il était con de toute façon! Fais gaffe, bordel, où tu marches! Derrière toi, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est bon. Non, il est bon. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, on s'en fout là. Qu'est-ce qui c'est, qu'est-ce que c'était du coup? Rendez-moi compte. C'est des... Bah alors, on a un convoi américain, oui, qui s'est fait stopper par un barrage de US soviétique. Le tank ici détruit est un T-62 soviétique. Donc, clairement, une embuscade. Mais qu'est-ce que j'ai... Ok, t'es pas obligé de rentrer dans les détails techniques là. On s'en bat les couilles, Jamy. D'accord.
désolé, chef. Oh, hop, 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 hop. Hey, let's go, on tape, on rentre dans le MV. Let's go, let's go, let's go, on reste pas là, là. Treki, viens là. Il y a un soldat blessé, il y a un soldat blessé. Ah, on a laissé un véhicule. T'es occupé, bordel. Je vais sauver le soldat. Je vais sauver le soldat. PC pour y'a... Scan. Ah, c'est la 7ème compagnie. 6-4, j'écoute. Je me suis rapproché avec des renforts pour aller jusqu'à votre position. Nous serons là dans 5 minutes, mais nous entendons des tirs. Est-ce que tout va bien? Négatif, on a été pris à partie par visiblement 2 à 3 packs. Je suis trop en retrait pour vous dire ce qu'il en est. J'attends un compte-rendu de la part de Mega et je vous fais un compte-rendu. En revanche, en amont du convoi, sur les coordonnées que je vous ai données tout à l'heure, on a laissé l'ambulance derrière. On n'avance plus qu'avec deux véhicules de type Humvee. Terminé. Reçu. Est-ce que juste vous pouvez me donner une situation sur le convoi que vous devez aller regarder ouais. Est-ce qu'il y a des survivants ou pas? Négatif, il y a visiblement aucun survivant. On avait du véhicule russe. On avait un véhicule blindé T-62 russe qui a été neutralisé. Visiblement, le convoi a dû tomber dans un traquenard. C'est ce qui semblerait être un traquenard. En tout cas, il n'y a aucun survivant. Il y a énormément de packs morts de part et d'autre. Terminé. Oui, reçu, je demande une Evasan sur le convoi. Juste, est-ce que vous pouvez me confirmer et à 100% si c'est bien les Russes qui ont tué nos alliés? Au vu des véhicules, oui. D'après visiblement les renseignements qui m'ont été donnés par les deux GV que j'ai envoyés investiguer, il semblerait que oui, mais je ne peux pas répondre à 100% par l'affirmatif. Terminé. Très bien reçu, je rends compte à l'état-major, vous pouvez continuer votre route, aller jusque du coup à let's la go, let's go, prochaine toi. Ville, va te coller à côté d'eux là. Et je m'occupe de l'Evasan pour le convoi, vous pouvez y aller. Chef, c'était juste pour vous rendre compte là, sur la situation qui vient de se passer. Ouais, rends-moi compte. Alors du coup, on a eu deux PAX qui sembleraient être russes de près leur équipement. Qui sont venus depuis la route, qui de base n'était pas hostile, qui ont fait demi-tour quand ils nous ont vus et ensuite ont ouvert le feu sur notre PAX posté derrière le MV. Du coup, on a un PAX de chez nous qui est Delta Charlie Delta et deux PAX ennemis qui sont neutralisés. Ok, c'était qui celui qui est décédé chez nous? J'ai plus le nom exact. C'était mon cousin. Mais ton cousin, il avait un nom, enculé. Alexis. Ah, c'était pas le plus smart. C'est pas très grave. Ok. Bon, hey, va te mettre dans le MV là. Let's go. On avance qu'avec les deux MV. On a laissé l'ambulance derrière de toute façon. PC Alpha. Eh, passe devant. Soit le véhicule de tête. Alpha, parlez. Non, on passe devant. J'ai contacté l'état-major et j'ai reçu de nouvelles indications. Faites très attention, les Russes sont passés du camp ennemi. Faites attention, les Russes sont passés du camp ennemi. Si vous voyez des Russes, vous avez ordre de tirer à vue. Terminé. C'est combien la machine? On est à 1000 mètres. Un carré égale 1000 mètres là ou quoi? Oui, il donne à 1000 mètres pile. Ouais, bien pris mon lieutenant. Nous avons une vue plongeante sur Morton pour l'instant. Nous sommes à un petit peu plus de 1 km sur la route principale qui mène à Morton. D'ici quelques secondes, on arrivera à Morton et on pourra vous rendre compte si
bien évidemment, la situation le permet. Terminé. Reçu, terminé. Allez, en avant, let's go, on se colle au cul derrière, ok. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, si c'est trop la merde, on reste dans le MV, soyez prêts. Vas-y, tape, tu peux y aller. Ah, fais gaffe quand tu vas arriver là. Vas-y, go. What the fuck? Essaye de taper l'un des premiers bâtiments qui te semble intéressant, ok? Dès qu'on arrive sur l'un des premiers bâtiments, on abandonnera les Humvee de toute façon. Passe là, continue, tape, passe le pont. Bâtiment à gauche, let's go. On tape dessus. Let's go, go. Let's go, on descend. Oh, nique ta mère. C'est horrible ce truc. Ah, c'est chiant les touches là-dessus. Ok, on va y arriver. Ok, rentrez. Ça tire. Clear. Clear. En arrière de la maison. Clear. Ok, il y a un étage là-dessus, ferme derrière. Il y a un étage. Il y a un étage. Garage clear. Y'a un mec qui a laissé son moteur allumé, je vais aller éteindre. Négatif, on reste pas là. Grenier clear. Clear. Ouais, Grumpy, viens avec moi. Ok, regarde. Vu la maison dans la direction de mon bras, on voit juste la cheminée qui dépasse. Oui, affirmatif. Ok, donc celle-là, c'est celle qui est à gauche de la route. D'accord ? C'est celle qu'on tape. La prochaine, pareil. On va faire de maison en maison. On tape de maison en maison. Je sais absolument pas ce qui nous attend. Le but du jeu, ça va être de clear Morton en tapant de maison en maison. Celle-ci, là, on peut pas faire deux. Là, d'ici, on peut pas faire un bond sans les véhicules. Donc, la prochaine que tu viens de voir, c'est là qu'on s'arrête. On cale les deux véhicules et derrière, on y va à pied. Tiens. On a reçu. Allez, en avant. Let's go, tout le monde. En véhicule. Ok, les conducteurs, vous reprenez vos postes et tu refais les mêmes équipes que tout à l'heure. Mais je te remets dans les mêmes véhicules. Reçu. Ennemi devant. Contact avant. Contact éliminé. Hey, avec ton véhicule, recule, passe derrière. Passe de l'autre côté de la maison. Hey, reste sur la 12-7, les autres à l'intérieur de la maison, go. Y'a rien. PC à Yayo, PC à 6-4, PC à 6-4. 6-4, parlez. Pour information, on vient d'arriver au niveau du convoi, effectivement. Tout le convoi a été tué. Il nous manque, par contre, on vient de faire le compte, il nous manque 5 hommes. Il y a une squad entière, on sait pas où ils sont. Donc sur vos recherches jusqu'à la base militaire, faites attention. Moyen de trouver notre escouade qui reste. On sait pas où ils sont, on sait pas s'ils sont morts ou s'ils ont été capturés. Faites attention.
Bien pris, terminé. De notre côté, compte rendu, on vient d'arriver sur lieu à Morton, dans l'un des premiers bâtiments. Et on vient d'être pris à partie par ce qui semblerait... Eh, quelqu'un a pris... c'est quoi? C'est rebelle ou c'est russe? On a été pris à partie par ce qui semblerait être des soviétiques qui, cette fois-ci, ont ouvert le feu. On a riposté personne de blessé chez nous, deux soviétiques, Delta, Charlie, Delta. Terminé. Reçu. Continuez comme ça et essayez d'aller un petit peu plus vite parce que ce qui se passe à la base, ça m'inquiète. Je vais être franc avec vous, je sais pas ce qui se passe. Et là, on parle pas juste d'une squad, on parle vraiment d'une base militaire américaine. Donc je vais absolument savoir ce qui se passe. Si vous pouvez aller plus vite, s'il vous plaît. Bien pris, mon lieutenant. Terminé. J'essaye quand même d'avancer. Ok, bien pris. Terminé. Ok, let's go, tout le monde, on remonte dans les véhicules. Véhicule 1, véhicule 2, le but du jeu c'est de faire un bond en avant sur la maison, la prochaine maison qui est main courante à gauche de la route, ok? À gauche de la route, c'est celle-là qu'on target, ok? Let's go. Merci. C'est bien pris? Ok, Sakaba, je te fais confiance pour l'avoir entendu. Grumpy, la même chose, fais passer l'information en avant. Let's go, 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 go. Repasse sur la route là. La prochaine maison à gauche là. Garde-toi devant et on tape dedans. Vous avez une boisson. Parfait, parfait, moyenne, parfait. Stop, 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 stop. Let's go, quelqu'un. Véhicule détruit, les cadavres sur la route. Let's go là. On rentre. Stop. Arrête-toi là, je te dis. Ok, le mec là, du set, rendez compte ce que vous voyez. Eh, ouvre-moi ça là. Il y en a manqué un dans le du set là. Let's go là, viens avec moi, Grumpy. Main courante à gauche, pareil, Kenny. À droite, y'a rien. Let's go, passez devant, allez, let's go, let's go, let's go. Vas-y, ouvre cette porte là, Kenny, go. Vas-y, rentre. Rentre, 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 go, go, go. Ça emboîte, ça emboîte, ça emboîte. On a un blindé allié pété juste devant nous. Pour moi, j'ai deux portes fermées là, à gauche. Ok, une porte fermée ici à gauche. Porte sur moi aussi. Ok, il faut un autre pack là. Tricky, rentre, tu vas au fond et tu vas aller sécuriser la pièce avec le mec qui est au fond. À ta droite, Tricky. À droite, au fond. Voilà. Rendez compte de ce que vous voyez dans la pièce. Mon de Dieu, c'était quoi ça? C'est un blindé qui a pété. Ouais. Ok. Let's go, pareil sur celle que je suis en train de tenir. Okay, c'est le couloir. Une fois que c'est bon, vous ressortez, vous faites la salle du chef. Que le chef a en visu. RS, c'est bon. La celle-là maintenant. Allez, go, go, ça rentre, t'arrêtes pas, voilà. RS. Clear. Ok, Grumpy, j'ouvre, je rentre. 3, 2, 1, top. Rasco à gauche. Ok, j'ai une porte fermée à droite. Ça doit communiquer avec la chambre qu'on avait vue tout à l'heure. Okay, ok, tu peux open. Clear. Je rentre. Ok, c'est une cuisine RAS. Ok, parfait. Let's go, on fait la même chose. Allez, de maison en maison, let's go. En tiroir, on s'arrête pas. Let's go, tu peux avancer avec le véhicule hein. Ouais les gars, avancez devant.
le véhicule à gauche, mets-toi dans l'angle du bâtiment. Véhicule sur notre gauche. Véhicule ennemi. Qu'est-ce qu'on fait, on tire? Qu'est-ce qu'on fait, on tire d'ici là en tirant. Garde la ligne, garde la ligne, garde la ligne. Je. Blindé ennemi détruit. C'est quoi ce bordel là? Un blindé ennemi passé devant nous. Hé, Alexis, Kenny, la maison à droite, on sait pas ce qu'il y a dedans là. Allez taper la maison à deux étages à 15h dans la direction de mon bras, go. Alexis, garde ta lampe, un véhicule d'artillerie. Nom de Dieu. 6-4 à PC, 6-4 à PC. J'ai évité de l'avoir dans les mains. RAS. Encore une autre. Non, ok, je suis derrière. PC, okay. J'écoute. Vas-y, Tricky, tu rentres et le chef te suit. À gauche. Première PC, partage. 6-4. Droite clear. Vas-y, ferme ça. Okay, c'est okay. Bon, clear. Ok, tape dedans, je te suis. Ok, je rentre. RS à droite. Okay, parfait. RAS. Pareil, Tricky, main courante à droite. À gauche. RS à droite. Go, tape. RS. Parfait, c'est RAS. Clear. Ça donne quoi en face? 6-4 à PC, 6-4 à PC. PC, j'écoute. Ouais, désolé mon lieutenant. Du coup, on est en train d'avancer en tiroir de maison en maison et de clear Morton. Nous avons été pris à partie par ce qui semblerait, j'ai pas eu le temps de voir la confirmation, mais un véhicule de transport de troupes blindé russe de type BTR qui, est blessé, qui a été neutralisé. Okay. C'est clair, reçu. Faites attention si jamais hein, ils peuvent être en contact. Pas, si un BTR a été détruit, il est rarement tout seul, faites attention. Bien pris mon lieutenant, terminé. Et un blessure mineur. Encore 25 secondes, mais c'est 2300, j'avoue. Tu m'entends? Bon, ça va, vous passez une bonne soirée? Du coup, ça donne quoi pour vous le bâtiment? Tout est clair, tout est sur cool. Le live. Là, j'ai une vue plongeante sur le port. Et reçu, ça me termine. Ouais. Ah, là, j'avoue que niveau radio. Et moi c'était il y a trop longtemps. Franchement, je pue la merde. Blessure mineur. La CRA, c'est une égratignure, les gars. Ah bah c'est bon. Y'a un blindé ennemi sur la route, blindé ennemi qui fonce sur la route devant nous. On tire rien. Il nous faut un AT4 là. Qui est-ce qu'il y a un AT4? Six-quatre à PC. J'écoute. Avons été pris à partie par un deuxième véhicule blindé russe sur la commune de Morton. Véhicule russe neutralisé et pas de perte à déplorer de notre côté, terminé. Reçu, là ça fait beaucoup de blindés. Vous avez l'entier, enfin vous avez de la terre avec vous? Affirmatif, je pense que ça a été traité avec de la T4. Je vois pas comment est-ce qu'on aurait pu le traiter autrement, mon lieutenant. C'est un camion, on l'a traité tout ça. Reçu, si jamais vous avez besoin de munitions ou d'armement en plus, dites-moi, j'en ai avec moi là derrière vous. Je suis au niveau du convoi encore. Ouais, écoutez, mon lieutenant, c'est jamais de refus, hein. Un peu de munitions, vous savez, terminé. Très bien reçu, on finit les vassades et on sera là dans un. On va dire 10 minutes. C'est un mélange de Bad Company et de 7ème compagnie. Terminé. Ouais, bien pris. Pour le moment, on va continuer d'avancer de maison en maison pour essayer de clear Morton, si vous le voulez bien, mon lieutenant. Et pouvoir, en vue de pacifier la ville.
et de vous permettre de vous insérer le plus délicatement et le plus safement possible. Terminé, mon lieutenant. Reçu. Waouh. Il est mort. On a perdu Grumpy. Oui. Ok, contact avant. 13 fixe depuis la ville nous a attaqué. Tire. En face. Merci infiniment, Chadis, pour les 19 mois. Des bisous, bas. Ah ouais, je vois. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un petit bâtiment à gauche là et un canon qui dépasse. Très fixe, neutralisé, chef. Ouais, là c'est un peu short là. Je viens de récupérer un RPG-7 du coup. Ok, et on va pas rester là avec deux MV là. Surtout s'ils nous envoient toute l'armée russe en face, les gars. Eh, on remonte directement dans le... Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? T'as un pack dans le bâtiment à droite. Eh, je suis blessé, je suis touché. On a besoin d'un médic pour le chef. Ouais, j'outil. Bougez pas, chef. Aïe. Bougez pas. Oh, sa mère, la pute, elle pique celle-là. Merci Shadiz. Non, le seul soldat compétent. J'avoue, on a perdu Grumpy quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Eh, qu'est-ce que tu fais, soldat là? Je vous soigne. Tu me soignes, mais t'es médecin au moins, oh, putain. T'as fait un mal J'ai de une chien, grenade putain. C'est normal. C'est bon. C'est bon, oh, c'est bon. Putain, t'étais pas chirurgien toi, t'étais charcutier ou quoi? C'est mon premier jour. Ah bah ce sera ton dernier, enculé, si tu me retripotes comme ça là, putain j'ai mal. D'accord chef. Ok, on colle les deux MV là, collez-les le long du supermarché là. Et on va pas rester là, Kenny tape le supermarché avec Treki. Comment est-ce qu'on peut éteindre le truc? Soigne. Toc, t'as battu. Merde, il saigne, je m'en occupe. C'est bon. Ok, clear. Il y a des blessés. Ah, on a un Delta Charlie Delta là. Ah c'est mais c'est l'autre qui... Ah putain la vache. Y'a du sang partout. Mais c'est l'autre stupide de Kenny. Mais ce mec est con comme une bite. Mais c'est ouf quand même. Putain je l'ai dit. Il était en train de tirer. Il s'est jeté dans son... Putain c'est pas possible quoi. C'est quoi c'est ça? J'en peux plus les gars. Oh putain. J'en peux plus. Ah mais sérieusement. Ah c'est dégueulasse. Ah il est vraiment con sérieux. Je suis quand même extrêmement étonné qu'il y ait de la cervelle partout quoi, parce que je m'attendais pas à ce qu'il ait de cervelle ce fils de pute. Il y a encore des saignants. Attends, il faut du bandage.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Priez pour vous. Il a sauté dans le spray. Le mec, il voit un mec qui continue de tirer. Il entend ta 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 ta. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour y aller. Vas-y, bouge pas. Oh la vache, putain, c'est vraiment le pire. C'est bon, ça va mieux là. PC Alpha. Alpha, j'écoute. Pour information, j'arrive avec un véhicule, avec un camion sur votre plein ouest. J'arrive avec des munitions, si... Est-ce que vous pouvez plein me, clear, me dire si la zone est claire. Ils entendent là, parce qu'on voit pas du coup. Test radio, test radio. 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 Ouais, c'est une radio. Ça a coupé ça. C'est sur test radio. Ça a coupé au premier moment. Radio qui dit. J'ai pas appuyé sur le bouton assez vite. Test radio. Radio. test micro. Micro. Les mecs, prenez des soins. Oui, les cadavres. Ouais, mon lieutenant, si j'ai bien compris, vous arrivez à de Morton par l'ouest. Les deux bâtiments qui se trouvent en 048-040, qui sont à l'entrée de la ville par l'ouest, ont été clear par le groupe. Néanmoins, nous nous situons à peu près aux deux tiers de la ville. Exactement dans le supermarché de Morton, dans lequel eh bien, on a deux PAX de notre côté qui sont Delta Charlie Delta, et visiblement on avait des Russes qui nous attendaient, qu'on vient de traiter aussi. Donc de là à vous dire que entre nous et vous c'est totalement clear, je ne sais pas, terminé. Oh, je pleure. Reçu, je vais. Du coup, j'arrive sur l'entrée de la ville et je me mets sur le premier bâtiment clear. Je vous dépose un camion avec des munitions et je repars avec mon MV. Terminé. Chef. Ouais, et le problème, c'est que le soldat à la tourelle a entendu des bruits de. Des voix de Russes sur la droite. Il est sûr que c'est pas la radio ? Bah, il m'a dit qu'il a entendu des bruits côté sud. Eh bon, vous m'établissez un périmètre de sécurité là, ok. Grumpy, t'es revenu là, tu me les gères s'il te plaît. Oui, j'ai un problème, ouais. Ok, je m'occupe des. Ouais, bah on a un problème, moi j'en ai 6 et je peux tous te les nommer si tu veux. Vas-y, chef, je m'occupe de ça. Ok, les mecs. On va faire un périmètre de sécurité. Le véhicule, c'est le lieutenant, ne tirez pas, ne tirez pas. Ah ouais, le lieutenant, il arrive en camtar, pas de convoi, t'inquiète. Grumpy le boss finalement, ouais, lui il connaît, il connaît. Il faut un PAX, Tricky t'es très bien là, il faut un PAX qui surveille cette porte. C'est un ancien Milouf, je pense. Déjà pour te citer la règle 1 de l'ISTC, bon, faut avoir une expérience quand même. Enfin, une bulle autour de la maison, enfin du magasin. C'est un bon chef de groupe. Quand tu choisis les livraisons en 24 heures. Faut passer à l'extérieur, t'arrives. Faut le mettre sergent, Grumpy. Ouais, moi j'ai plus un rôle de lieutenant. Je sais pas être sergent en fait. Je l'ai jamais fait, tu vois. Eh, mon lieutenant, restez pas là. Eh, venez coller le camion au cul à la limite de la desserte. Hein. Hey, Treki, occupe-toi de coller le camion, mon lieutenant, venez ici, c'est pas du tout clear.
Tweeb, on a besoin de toi là. On a un mec qui est blessé. Ok, j'arrive. Tu vois le sac à baf face à toi, face midi là. Il faudrait faire un... Il faudrait faire un radar de recul comme ça. La bulle 360 a été faite. C'est un truc qu'on apprend à l'ENSOA, ça ? La bulle 360 ? Non, sur ça me va. T360, c'est la fatigue. Non, pas de problème. C'est la fatigue, le stress du feu. Ah, allez-y. Parfait, nickel, impeccable. Si la bulle est là, alors tout le monde est bon. Allez-y, mon lieutenant, je vous en prie. Ouais, ouvrez les yeux. Baissez, attendez. Aïe. Ok, non, ça va mieux. j'ai une boîte de munitions si vous voulez ici, avec armement, enfin tout ce qu'il faut. Oh, vous pouvez prendre, allez-y si vous avez besoin de munitions, soins et lance-roquettes. Il a des dreadlocks. Oh, Yannick Noah qui regarde la livre. Oh, j'en peux plus, putain la vache. Oh putain. Ah. Bon, pour parfois, vous avez des renforts qui arrivent là, dans moins de 2 minutes, ça devrait arriver. Donc là, vous pourrez avancer si vous voulez. Est-ce que vous avez besoin de véhicules ou vous pouvez penser pouvoir le faire avec les deux MV qui vous restent ? N'hésitez pas, attention mon lieutenant, parce qu'on n'a pas tout pacifié, mon lieutenant. Ouais, je rentre. Bon, c'est bon, ils sont soignés. Ok, nickel, merci. La planète, tout ça. Comment je fais pour soigner les blessures mineures ? Mon lieutenant, je vous écoute. Je crois que tu peux pas. D'accord. Vous m'avez dit, je suis désolé, je suis un peu... On a perdu beaucoup de gens. On est vraiment... c'est dur pour les gars, c'est dur pour tout le monde. Je comprends. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a du renfort qui arrive plein ouest actuellement. Si vous avez besoin de véhicules, dites-moi, je peux faire un appel. Si vous avez donné vie, si vous pensez que vous avez pas assez pour la prochaine attaque. Et du coup, je vous attends pour... Du coup, vous me dites quand vous êtes prêt pour commencer à avancer vers la base militaire. Enfin, le reste de la ville et ensuite la base militaire. Oh, je chiale. Cobaladé. Non, on dirait... Oh la vache. On dirait le méchant dans les Simpsons, là. Oh la vache, comment il s'appelle déjà? Tahiti Bob, on dirait Tahiti Bob. Regarde sur le... Ah, j'ai mal aux abdos. Et il bouge pas. Ah, ce fils de pute. Véhicule en approche. Ok, je savais pas que t'étais lampadaire. Oh, j'en peux plus. C'est mon deuxième métier. Oh, oh la vache. Contact. Wow. RPG. Derrière nous, Apex traité. Il se passe quoi là, fou? Depuis les maisons. Ouais, je sais pas là, qu'est-ce qui se passe? Depuis les maisons qu'on a fouillées au début, ils arrivent de là-bas. Hey, restez à l'intérieur là, ça sert à rien de sortir là. Contact. Ecto, qu'est-ce qu'il y a? Du renfort qui arrive plein ouest. Hey, j'ai pris une balle. Aïe aïe, je sais pas, je suis touché, peut-être. Bah ouais.
Contact, contact, contact à 11h. Attention, vous tirez, les gars. Plein ouest, il y a des alliés. Hein. Plein ouest, il y a des alliés. Attention. Hein? Plein ouest, il y a des alliés qui arrivent. Bannissement de colonel Cookie. Allô, il a buté trop de potes. C'est des alliés, là. C'est sûr. C'est des alliés. Bon, lieutenant, c'est vrai que c'est une information qui aurait pu être intéressante de nous deux contacts. C'est ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Il y a du monde sur route, c'est l'américain, c'est l'américain. Ouais. Au vu de leur prénom, ce sont des alliés. Au vu de leur prénom, ce sont des alliés. Ils sont morts. C'est des alliés, là. James Lewis, Jerry Anderson. Du coup, ouais, tu m'étonnes. On a perdu un homme là. Qui... Ça sonne pas très russe tout ça, dis donc. Et... Bravo, John Jones. On est encore Marcel direct. Il est trop fort. Ah, vu leur prénom, je pense qu'ils sont américains. Waouh. Wow. Oh putain, j'en peux plus. John Jones, le mec. Jones Jones Junior. Oh, j'ai jamais autant chialé de ma vie. Oh, vas-y, c'est trop bien le. Qui est pas la cam. Je peux m'essuyer dans mon t-shirt comme un gros dégueulasse. Eh, contact avant, contact midi. Enfin, je sais pas. Eh ben, c'est peut-être. C'était Alfred, Alfred. Non, non, ça c'est pas des amis, ça. Ah, c'est Vassili, Vassili. Oh la vache. Et le MV va péter là, hey, cassez-vous du MV là, hey, il est en feu. Hey, le MV, wow. Attends, c'est le bordel ça. Ok, écoutez-moi, sergent-chef. Il est perdu. Il est totalement perdu. Oui, bon, non, excusez-moi, je vous avais pas entendu. J'étais trop focalisé sur... Pas de soucis, pas de soucis. Oui, oui. Très bien, vous allez regrouper vos hommes et vous allez faire un bond, je vous ramène à MV, et vous allez faire un bond sur la base militaire. Nous, on reste ici avec, du coup, le Bravo, et on va sécuriser la ville. Yeah, man. Chef. Oui. On a perdu deux soldats. Quoi? C'est qui? Je sais pas, il y avait pas son nom. John Jones? Je crois que c'est John Jones. Il est trop fort. Paix à son âme. God bless him. And God bless the United States of America. Je vais regarder l'état des soldats. Oui, allez-y. Attends, bouge pas, Campy. Regardez l'état des soldats et la santé des véhicules. Attendez, je vais vous ramener un deuxième avis. Il va faire un appel radio. Bon, c'est un trophée de guerre. Oh, je chiale, j'ai même plus de... Campy, ça va bien. Oh, putain, la vache. Je crois que c'est John. Je peux pas regarder ton état.
Oh la vache. Oh, j'ai le nez qui coule, quoi. Mon dieu. Putain, la vache. Putain, j'espère que vous passez un bon moment. Oh la vache. Ah, je vous avais dit que c'était mieux que GTA, quand même. Oula. Ah oui. Ici le lieutenant pour toute la squad Alpha et Bravo. Faites attention, vous tirez plein ouest, il y a des allées qui arrivent. Bien pris. Ok les gars, ça tient toujours là, la bulle 360 là. Ah, la bulle 360. Il faut des mecs qui checkent l'arrière aussi du magasin là, parce qu'on est plusieurs à checker l'avant, mais il y a personne qui check l'arrière. Je vais monter sur toi, Mon lieutenant, du coup, quels sont les ordres? Mon lieutenant. Sur un vrai, face midi. Hey. Vous avez pas du shit? Mon lieutenant. Mais au coup de boule, moi. Ah oui, excusez-moi. Non, y a pas de souci. Je comprends le stress. Donc vos ordres, vous vous regroupez avec vos hommes et vous attendez que le deuxième MV arrive et vous partez directement sur la base militaire. Alexis. Ouais, très bien. Et on attend le deuxième MV. Oui, qui arrive là parce que il nous reste plus qu'un du coup. Ok, parfait. Il est en route. C'est quand même du grand n'importe quoi. Oh, je suis désolé, mais là j'ai perdu mon sérieux, quoi. Il aurait fallu des gens. Ce qui est cool, c'est quand moi je suis le lieutenant et quand il y a deux chefs de section. Yayo, il fait bien son taf. Hein. Mais quand il y a deux chefs de section, je suis désolé, j'arrête pas de. Faut que je me mouche. Tout à l'heure, tu m'as donné soif. Mon lieutenant. Yayo, si tu m'entends sur Discord, faut que tu débannes Colonel Cookies. Ah non, si le chef il me voit avec ça, il faut pas être content. Vas-y, je vais voir ça, parce que je sais pas comment faire, attends. Bon, et tout le monde là, vous tenez vos positions. Oui, chef. Vous tenez vos positions pour le moment et une fois qu'on aura un deuxième MV qui va arriver, qui va nous être rapporté par les renforts amenés par le lieutenant, on reprendra la route direction la base militaire. Terminé. Merci pour ces fous rires, c'était excellent. À plus tard, Jogat. Ils ont pas dit de prendre les maillots de bain. Ah ouais, là c'est un truc. Chef, les Américains ils avancent. Luc, il fait quoi là? Nous sommes Américains. Peux-tu préciser du coup? Je vais être franc avec toi, je sais pas comment le déban, mais je crois qu'il était ban que 30 minutes, il me semble. Ah ouais? Je sais pas comment le déban. Ouais, faut aller dans la console et tout. Pourquoi Luc il fait tout allongé? Oh, il y a Richard Jones, Patrick Johnson. Patrick Jackson, George Jones, Buffer, Brian Harris, Scott Miller. Le deuxième véhicule vient d'arriver. Je commence. Je cache pas, un petit coup de vodka là, c'est. Et un peu de cocaïne là, ça remet les choses en place. Après, il y a des Américains qu'on a tués tout là. C'est pas mal. Ah, j'ai déjà fouillé. Ah bah là c'est clair hein. Et puis quand ils vont voir que t'es d'origine russe en plus. Merci les Brown pour les 44 mois. À un moment vous avez vos blindés qui... Enfin votre MV qui... Ouais let's go, faut y aller là. Là faut y aller là, faut terminer. On est vraiment aller sur la base, allez-y vous pouvez y aller. Ouais on les a là, les MV. Ouais il vient d'arriver, il y en a qui... Allez rassemblement là tout le monde. Allez Grumpy. Ok.
Ok, tu me les rassembles, s'il te plaît, tout le monde. Exactement la même chose que tout à l'heure. Véhicule 1, véhicule 2, tu me sors 2 MV. Et derrière, on trace direction la base militaire. Je rappelle, la base militaire plein est, du coup, réellement pour le coup, plein est. Elle est à 2,5 km en 08-04, je vois rien, il n'y a pas la lumière. 08-04. Voilà, de la base militaire. Donc en gros, tu me récupères 2 MV, tu me récupères tout le monde parce qu'ils sont en train de partir un peu en cacahuète là. Et on trace et on sera les premiers du coup à aller. Scouter au niveau de la base militaire. Reçu, chef. Ok les mecs, rasso. Rassemblement les gars. Sergent chef, venez s'il vous plaît. Ouais. J'ai juste une dernière chose à vous dire. Oui, mon lieutenant. Venez, je pense que vous devez prendre cette arme. Elle était à votre collègue qui est décédé tout à l'heure sur le champ de bataille. Et du coup, je pense qu'elle vous revient. Elle est au sol. Ah, elle est là. Prenez-la. Très bien. Et normalement, vous pouvez changer de viseur en visant, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mon lieutenant, je mets mon œil au niveau du gros tunnel, okay. On est bien d'accord. C'est ça, mais en dessous, normalement, où, vous voyez où c'est écrit contrôle clic droit. Vous visez au niveau de là, juste au-dessus. Ah oui. Ok. Merci mon lieutenant. Ouais, c'est bon, j'ai bien. Merci. Je pense que ça peut vous donner un avantage. Incroyable, merci. Ah, vous en aviez une deuxième ? Ah, bah ça, c'est la mienne, l'autre, c'était la vôtre. Très bien, mon lieutenant, merci, vraiment, infiniment merci. On peut y aller maintenant ? Oui, allez-y. Merci, mon lieutenant. Merci Philiz pour les 19 mois. Le but là c'est qu'on va tracer. Voilà, c'est propre ça. Vu le site militaire en. Ah, lieutenant, dernière chose. Désolé, j'ai pas pu faire plus, mais faites attention, hein, le dernier MV il est pas blindé. Hein. Mon lieutenant, du coup j'ai été promu. Du coup, vu. Sergent chef, pardon. En 042. Ok, merci mon lieutenant, j'ai eu peur. Je ne pense pas pouvoir assumer autant de responsabilités et autant une telle qualité dans l'exécution et en particulier sur le contrôle de la radio que vous, mon lieutenant. Jamais je n'arriverai à. Ouais, visuel. Okay. Voilà. Bah là, le but c'est de se rendre le plus vite possible. Du coup, je l'espère, de tout cœur. Vous ressembler serait une forte réussite pour moi, mon lieutenant. Non, je vous disais juste que vous ressembler serait vraiment l'aboutissement de ma vie, mon lieutenant. Ah, vous voulez mon casque ? Non, mais si vous voulez, on peut s'arranger. Tenez. Mon lieutenant. Et restez en vie, hein, prenez-le. Faites attention. Je ne peux vous mentir sur le fait que. Mon lieutenant, voilà, je suis désolé. Mais de vous le dire comme ça, de but en blanc, ce n'est peut-être pas la place, le lieu pour vous le dire. Mais je ne sais pas si demain je reviendrai en vie ou pas. Vous m'attirez beaucoup, mon lieutenant. La guerre comme à la guerre, les gars, on roule sur la jante et. Bon, ok, du coup, véhicule de tête, vous vous montez, même les mecs qui étaient tout à l'heure dans le véhicule de tête, et puis véhicule 2, la même chose. Hop. Vous allez où, chef ? Mon lieutenant. Vas-y, je vais ramener le compte au chef. C'est quand vous voulez. Vous voulez que je. Ah non, pas du tout. Autant pour moi. Bon, hé, qu'est-ce que tu fais là ? Oui, chef, c'était pour rendre compte que tout le monde est en place. Alors, cette scoliose. les gars, faut dire que. Ça m'a l'air mieux là, chef. Non, vous pensez pas ? Ça m'a l'air bien droit.
qu'en pensez-vous, mon lieutenant? Effectivement. Ouais, les gars, personne qui a un peu de cocaïne là? What the fuck, et l'autre qui prend de la coke? Voilà, je m'en vais. Ok, allez, on y va. Mon lieutenant, j'aimerais vraiment que ça ne casse pas ce qu'il pouvait y avoir entre nous. Peut-être que le lien de subordination, enfin, vous avez compris. Y a-t-il une réciprocité derrière ce... Je pense pas, désolé, sergent-chef. Pourtant, je sens que... quelque chose se passe. Ah non, c'est la lumière. Ok, bah écoutez, c'est peut-être le PTSD qui me parle. Qu'est-ce que vous faites? Non, attends. Plus tard. Au revoir, mon lieutenant. Par contre, je crois que le chef et le lieutenant, ils font des gâteries. Oh, on a rien dit, Ouais. On était en train de dire que vous rechargez les batteries, chef. Bon, faites attention à MV, il est pas blindé, hein, celui-là, hein, je vous rappelle. Reçu, mon lieutenant. Très bien. Eh, on peut avoir quelqu'un sur la 12-7 arrière là? La 12-7 arrière, enculé de Taras, t'as juste changé de place là. Il est con comme un cactus lui. En coffre. Allez. Waouh, tu es très rapide. Bravo. Allez, tout, vous fermez la marche avec le deuxième véhicule là. En avant. Allez, go. Ah, on a un petit problème de pneus, mais vous inquiétez pas. Ils sont cons. Cassez-vous. Allez, tu traces, tu t'arrêtes pas là. Oui, chef. Bon, y'a encore des gens qui sont vivants dans le chat ou quoi? Je suis mort de rire. C'est ce point-là qu'il a pris. Ouais. Ça suit derrière ou quoi? Affirmatif, chef. Vas-y, trace, t'arrêtes pas. Gauche. 6-4 à PC, 6-4 à PC. PC, j'écoute. Nous arrivons à 650 mètres, 700 mètres du lieu dit ou de la ville Lévis. Lima, Echo, Victor, India, Echo. Terminé. Reçu. À PC. PC, j'écoute. Nous n'avons pas trouvé le pont. Le pont? Le pont-levis. Okay.
très bonne, chef. Comment ça flop? Éteins la lumière, éteins la lumière. Là, c'est à droite, c'est à droite, c'est à droite, c'est à droite. Hey. Doucement, doucement. Stop, 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 stop. Éteignez les moteurs. Ok, pareil là, ça descend là. On juste les personnes sur les 12-7. Non mais reste là, là, reste au volant, toi. Reste sur la 12-7. Chef. Eh, colle au cul, toi, là-bas, là. Eh, hey, éteins-moi ces putains de phares là! Je crois même qu'il a mis une clignotant, chef. Éteins les phares, nom de Dieu! Les phares, les warnings, enculé de ta race là! C'est... Qu'est-ce que tu fais? Ça tire, ça tire! Il y a une explosion. Pire tir dans les phares, hein. Non, ça marche pas, laisse tomber. Eh, hey, les deux MV, vous tapez là, vous restez là. Mets-toi à côté de l'autre. Non, sors du véhicule, je vais les éteindre. Quitte à laisser les phares, à la limite, tu restes devant. Il est où le... Il est où le TP là? Il est où notre tireur de précision là? On en a pas. Ok, très bien, je m'en occupe. Ok, et hey, vous deux là, Kenny et Sakaba, ouvrez votre carte, vite. Ok, vous voyez la topo, vous voyez où on est sur le site militaire? Oui. On est en 0.75, 0.43, vu? Vu. Ok, très bien. En 0.77, 0.43, vous voyez la grande ligne, la ligne EDF qui passe, la ligne d'électricité? Oui, chef. Ok, oui. Très bien. En 0.77, 0.43, vous avez un pylône. Oui. Ok, essayez de taper ce pylône, d'accord? Regardez la topographie. À mon avis, à partir de là-bas, vous aurez une bonne vue sur ce qui se passe dans le site militaire. Et vous me rendez compte. Bien reçu. En avant, go. Éteignez vos lampes. C'est tout droit, dans la direction de mon bras. Attention, attention, attention. Je recule. Personne derrière. Siskat APC, Siskat APC. J'écoute. Pour l'instant, on est à l'entrée nord, plein nord, en face de l'entrée nord, entre Lévis et le site militaire. On a les barricades en visu. On a, pardon, le checkpoint en visu de l'entrée du site militaire, dans lequel, visiblement, d'ici, on ne voit pas grand-chose.
J'ai envoyé deux packs en 077-043 en vue de rendre compte de ce qui se passe dans le site militaire. Avez-vous d'autres renseignements par rapport à ce qui pourrait s'y trouver ? Terminé. Bien pris. Pour information, je n'ai aucune information de ce qui se passe à l'intérieur de la base militaire. Vous êtes les premiers, les premières personnes qui vont me dire ce qui se passe. Donc à partir de maintenant, c'est full découverte par rapport... c'est que de la découverte, full de votre point de vue. Ah ouais. Hé, Treki, viens ici. Ok, non, Treki, garde les jumelles. Alexis, tu vois l'arbre le plus grand là, le sapin dans la direction de mon bras ? Affi. Ok, vas-y, va t'y mettre s'il te plaît et fais le bouchon arrière. C'est bon, Treki, bouge pas. Okay, continue de... Des informations. Ouais, bah dis-moi ce qu'il y a. Six-quatre à Kenny. Est-ce que je peux aller un petit peu plus près ? Négatif. D'accord. Oh ! Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? 6-4 à Kenny, 6-4 à Kenny ! Attends. Oh la vache. 6-4 à Kenny, 6-4 à Kenny ! Je suis pas sûr que vous avez envoyé le meilleur éclaireur, chef. Oui, chef. Rendez compte, terminé. Vue sur la base militaire, aucun mouvement, cadavre en vue, RS. Ok, bien pris. Bon, restez pendant qu'on va tenter de s'insérer par la route par laquelle on est arrivé. Et vous me tenez... bien pris. Du coup, on va continuer de notre côté. On va s'insérer par le nord avec les deux Humvee en convoi, en y allant relativement lentement. Vous nous tenez informés de toute activité autre que la nôtre, bien évidemment. Si ça commence à bouger à l'intérieur, je veux des infos. Terminé. Reçu, chef. J'ai juste vu un poste d'observation juste à l'entrée de la base. Ok, bien pris. Bon, let's go. Ok, ouais, vas-y, conduis le Humvee. C'est le seul qui est blindé, ok ? Ok. Tu feras attention. C'est qui à la tourelle au-dessus ? C'est moi. Tu feras attention, il y a un petit. Comment dire ? Hey, Grumpy, hey, cache-moi le Humvee à la limite, là, si tu peux le foutre dans le bosquet, là, en face, là. Hey, bougez pas. On va suivre derrière Ayep. Chef, est-ce que je vois s'il y a un Pax qui se présente ? Non, uniquement si on nous tire dessus. On retourne de retour de feu, terminé. Compris, terminé. Siska, t'as PC, Siska, t'as PC. PC, j'écoute. Pour l'instant, du coup, les deux Pax qui sont partis sur la colline qui se situe à l'est et qui surplombe la base militaire n'ont strictement rien vu d'autre que visiblement ce qui semblerait être des cadavres dans la base militaire et pas d'activité, pas de vie. De notre côté, nous allons progresser avec le seul Humvee blindé. Et les 4 Pax que j'ai à ma disposition pour aller investiguer en arrivant par le checkpoint nord de la base. Terminé. PC bien pris. Ok, let's go. On avance. Hey, on vous colle au cul, reculez jamais, please. Ouais, je vais doucement.
Ouais, au niveau de la courbe là, du grillage, il y a un espèce de petit bunker. Donc fais gaffe. Préchasse sur la droite, il va pouvoir avancer plus lentement avec le muscle molette vers le bas. Ouais. Et voilà. Un visu. Oui, je le vois, ouais. J'ai un visu. Ok, surveille bien ça. Il y a un véhicule blindé en face. Stop. On sait pas s'il y a pas du RPG là. Non, il est mort lui. C'est 6K tapé. PC, j'écoute. Pour le moment, RAS, de ce qu'on peut voir, je vois. Le checkpoint m'a l'air vide au nord de la base. Un drapeau américain qui n'aurait visiblement pas été modifié ou pas changé. Une tour elle aussi vide. Mis à part un piège ou un guet-apens de la part des rebelles et ou forces russes, je vois pas ce qui nous attend. En tout cas, clairement, on a personne au niveau de ce checkpoint nord. Qu'est-ce qu'on fait? Terminé. Rentrez dans la base et faites attention. Rentrez, je veux savoir ce qui s'est passé dedans. Bien pris, terminé. Ok, vous avez entendu, let's go, on avance. Ok, c'est chef. Passe sur la gauche là. Allez là. Doucement. Le véhicule a du mal à monter. Ah ok. Ah, je vais pas pouvoir passer là. Deuxième blindé. Top. HS. Oh, j'avais pas vu le deuxième blindé. Ouais, la guérite est vide. Le bunker me semble vide. Ah, je donne bunker à gauche aussi. Tu peux le passer le MV là ou quoi? Non, ça va être compliqué là. À moins que je pète le grillage à côté là. À notre droite. Ok, continue à pied. On continue à pied, en avant. Super, incroyable. Là c'est mieux Grumpy, effectivement. C'était vraiment l'objet qui bloquait. Merci. Chef. Alexis pour le chef. Ouais. Je peux vous rejoindre? J'ai rien, aucun mouvement. Non, négatif. Vous restez sur la colline. Vous essayez de vous restaurer là de toute façon. C'est le seul endroit qui peut réellement être problématique et qui surplombe l'intégralité de la base, de ce que je vois sur la map. Terminé. Après. Allez, let's go. Moi je m'occupe du bouchon arrière. J'ai été libéré pour bonne conduite. Super. Il y a une vie au fond mais je pense qu'il est mort. Et pour l'instant chef, on a aucun visuel. Chef, il me semble voir une brèche à droite, on pourrait passer. On est bon pour le moment. Le chef qui vient d'ouvrir. Merci infiniment Black King Ghost pour les 3 mois, t'es un monstre. Bonsoir. Vas-y, donc,
Let's go, on tape dedans. Allez. Beaucoup de cadavres. Allez, on s'arrête pas là. Pardon, on coule, on coule, on coule, on coule, on coule. Alpha. Je prends les fenêtres. Alpha, parlez. Pour le moment, nous sommes en progression. Nous sommes rentrés à l'intérieur de la base par le nord. Avons laissé les deux véhicules à l'extérieur. Là, à l'intersection à 400 mètres au nord de la base. L'autre juste devant le checkpoint de la base qui était encombré. Nous sommes donc à pied à l'intérieur de la base dans lequel, pour le moment, eh bien, on n'a strictement aucun signe de vie. Terminé. Très bien pris. Pour information, j'ai envoyé une squad pour s'occuper de vos arrières au nord de votre position. Et il y avait un homme à vous, je crois Alexis, le caporal Alexis, du coup, qui vous rejoint actuellement. Hey, Kenny, viens là. Oui, chef. T'étais tout seul ? Sakaba est avec moi. Encore dans les forêts. Ok, tu le récupères. Vu dans la direction de mon bras, la colline, ok ? Oui, chef. Ok, c'est celle-là que tu tapes, d'accord ? De là-bas, vous aurez tous les deux un bon vantage point. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir vous couvrir. Vous allez peut-être devoir passer la nuit là-bas, donc prenez peut-être du matos, prenez une ration de combat, ok ? Prenez de quoi passer la nuit là-bas. Mais là, je sais absolument pas à quoi de m'attendre ici. Et le truc, c'est qu'avec cette montagne en face, là, ça nous surplombe de partout. Au pire, vous récupérez le MV qui est devant le checkpoint et vous y allez, ok ? Reçu, chef. Ok, le checkpoint, il est dans la direction de mon bras. Bien reçu. Tu me récupères ce MV, tu récupères sa cabave, tu récupères le MV, tu vas sur la colline. Terminé. Ah, terminé. Ok, let's go, on coule là. On récupère le QG. Visiblement, c'était un ancien QG, ça. Let's go. Grumpy, go. Décroche. C'est quoi ça ? Il y a du mouvement là. C'est quoi ça, compte rendu là ? Un véhicule qui a explosé. Ok, bien pris. Explosion à l'ouest, on peut pas dire plus. Bien pris. Près d'une centaine de cadavres. Où est le chef ? Ouais, Grumpy, t'es où ? Chef, oui. Ouais, et ça, on établira ça comme étant le QG, ok ? Ça se trouve, c'était sûrement l'ancien QG. Ça sera le nouveau QG. Et vu le nombre d'hommes, ça sert à rien d'essayer d'établir un périmètre de sécurité ou je ne sais quoi. J'ai juste envoyé, du coup, sur la colline deux PAX pour avoir un petit aperçu de ce qui pourrait arriver puisque c'est la colline qui est un peu dangereuse et qui surplombe tout. Dans tous les cas, c'est... Une fois que vous avez investigué, une fois que vous avez regardé un petit peu ce qui se passait, vous venez de me rendre compte ici, moi je bouge pas, d'accord ? Et ça sert à rien de s'éparpiller. Une fois que vous avez vu ce qui s'était un petit peu passé dans la base et que vous pouvez me donner un petit peu plus d'informations, on se retrouve ici, tout le monde. Reçu. Reçu. Ok les mecs, rassons. Rassons. Cookie. Grumpy ? Ouais. J'ai vu une fumée blanche, mais c'est pas une fumée d'explosion.
Alpha, j'écoute. Okay. Bah, Alpha, parlez. Vous pouvez me donner une situation sur ce qui se passe ? Ouais, nous avons pris du coup possession de 50 à 60% de la base pour le moment. Il y a eu différentes, il y a eu différentes explosions qui visiblement, désolé, la nuit fut courte. Visiblement, c'est juste les véhicules qui ont cramé, qui viennent de nous péter à la tronche. Mais je viens d'envoyer du monde pour investiguer et savoir un petit peu ce qui se passe et pouvoir vous faire un compte-rendu un petit peu plus pertinent. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a énormément de ce qui semble être des soldats de chez nous, des soldats américains qui sont Delta Charlie Delta. On a aussi plusieurs, énormément de véhicules que je peux voir de la fenêtre du QG, Humvee, Jeep, qui ont été totalement annihilés. Donc... quoi, je sais pas vraiment ce qui est arrivé ici, mais en tout cas, c'était pas beau à voir. Terminé. Bien pris. Actuellement, donc vous confirmez, il n'y a aucun survivant. Négatif. Je ne peux le confirmer pour le moment. Néanmoins, j'ai envoyé mes hommes pour aller faire un tour de la base, justement pour pouvoir être sûr qu'il ne reste aucun survivant. Terminé. Reçu. Merci, éloigne. Bon, ça va bientôt être la fin. Faut que je mange à un moment, Yayo, moi. Pour Alpha. Alpha, parlez. Je vais venir du coup dans votre position à partir de plein nord. J'arrive avec un UMV terminé. Bien pris. Terminé. 6-4 à Kenny, 6-4 à Kenny. Six-quatre à Sakabaf. Six-quatre à toutes les unités. Le véhicule qui arrive plein nord, Humvee, c'est le lieutenant. Terminé. Il arrive et rentre dans la base maintenant. Terminé. Six-quatre à Sakabaf. Six-quatre à Kenny. Sergent-chef ? Ouais, mon lieutenant. Ah, vous êtes là. Je vais rassembler vos hommes au niveau de l'infirmerie. Le reste de nos troupes arrive et vont sécuriser le reste de la base. Ok, parfait. Mais j'ai deux Pax du coup qui sont visiblement partis dans la direction de mon bras sur la colline justement pour
Ah bah, dont j'ai absolument aucune nouvelle. J'ai essayé de les joindre à la radio, mais en vain. Donc je sais pas si on pourra. Je vais faire un appel radio et je vais envoyer des troupes les chercher pour voir. Peut-être qu'ils ont un problème radio avec la tempête. Je reviens. Ok. Bien, merci. Siska Takeni. Siska t'as Grumpy. Grumpy à Siska. T'arrives à joindre peut-être, je sais pas si t'es plus proche que moi de la falaise là. T'arrives à joindre Kenny et Sakabaf. Je les avais envoyés du coup en éclaireur sur le top de la colline hein, et j'ai pas d'infos. Terminé. Reçu, j'ai essayé. Terminé. Ok, Grumpy à Kenny. J'ai réussi à avoir Kenny, chef. Ils ont tué Kenny. Bande d'enfoirés. Yayo, pour l'ensemble des escouades, regroupez-vous sur l'infirmerie. J'envoie des... Les hommes viennent d'arriver sur dans la base pour sécuriser la base. Bien prêt. On leur regroupe tout le monde et je pense que ça sera la fin, c'est les autres escouades qui vont prendre le relais. Ah bah ils sont là. Grumpy à Kenny. C'est bon, il est avec nous, il n'arrive pas à parler dans sa radio là, il est encore bourré. On est tous au niveau de l'infirmerie, terminé. Peut-être se mettre dans la tente, chef. Mon lieutenant, pardon. Les gars sont un peu fatigués. Encore fumé du shit, toi. Non, chef. T'es sûr? Sakabaf. Chef, je suis pas une balance, mais Sakabaf, il a fumé. Tu fumes pas du haki, toi? Ah non, jamais, chef. Bon, très bien. Et pourquoi t'as les yeux tout rouges? Par contre, qui c'est qui a jeté la semence rouge? C'est les gars, la pluie là. Et la fatigue, chef. Les gars, qui c'est qui a jeté la semence rouge, là, derrière vous? Personne. Comment ça, personne? Non, c'est pas nous, mon lieutenant.
Selon mes estimations, les Russes ont attaqué cette base parce que les Américains étaient en possession de technologies qui étaient intéressées aux Russes. Ah, qui est la lévitation. Vu que c'est quoi ça ? Le hangar lévite à 1 mètre au-dessus du sol. D'une porte. Grumpy à mon chef. Grumpy au chef. Alexis, je couvre l'escalier. Et c'est ainsi que s'acheva la vie de John Peterson, sergent d'élite des États-Unis d'Amérique. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est temps pour moi d'aller manger. J'espère que vous avez passé un bon et un agréable moment. Je suis décédé. Mort RP. On s'est fait... on n'a pas été attentif. On n'a pas été attentif. Excellent, la fin de le tir à l'artillerie. Refait des lives Arma STP. RIP Michael Joe Jones Richard. Michael Joe Jones. Oh my god. Vous avez aimé ou quoi ? J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas c'était bien cool, même si c'était pas en mode full mid sim du coup pour le, enfin pour le coup. Je vais passer dans le bureau. Refait des lives Arma STP. Bah si vous avez ça vous a plu, bah vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas du coup d'envoyer plein de petits GG à Yayo, c'est lui qui a quasiment tout fait d'une main de maître et qui a fait en sorte que ce soit, ça ressemble à peu près... à quelque chose, et pour le coup c'était assez intense, c'était vraiment cool. Voilà, en particulier la fin là, moi j'ai trouvé ça incroyable, c'était vraiment vraiment cool quoi. Et bah si vous voulez qu'on en refasse, pourquoi pas, on pourra en refaire, on pourra en faire. Moi aussi j'aime bien être game mode, et l'année dernière on l'avait déjà fait, et pour le coup on l'avait fait avec beaucoup beaucoup plus de gens,
on était quasiment de monter à une trentaine de personnes. Hein, donc on peut vraiment faire là, des sections, on peut faire des chefs de section, on peut essayer un tant soit un peu de respecter comment dire, une certaine hiérarchie. Et ça, c'est assez cool. Mais c'est aussi très cool de pas du coup de rentrer dans la rigidité, même si ça donne toujours un... C'est vraiment très classe. Hein, voilà. C'est aussi cool de pas forcément rentrer dans la rigidité militaire et d'y aller un peu plus en mode... En mode coolos, quoi. OK ? Voilà, voilà. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'oubliez pas de remercier Yayo, hein, le monteur de Skyrose, entre autres. Merci à vous d'être resté jusqu'à 1h du matin. J'espère, je suis content d'apprendre que vous avez passé un bon moment. Merci aux personnes surtout qui sont venues participer, hein, parce que c'est toujours pareil. S'il n'y avait que 3 personnes, ce serait pas drôle. Et là, voilà quoi. Donc merci aux Grumpy, aux Alexis, aux Sakabaf, aux Ace Kenny. J'en oublie du coup parce que je suis très fatigué. Au Colonel Cookies, Ecto, si t'étais là. Victor, t'es pas venu. Voilà quoi. C'est ce qu'il y a, la plupart du temps silencieux, mais vraiment c'était tip top, une soirée géniale. Merci à toi Yayo, bravo. Merci Rosoro. Bah franchement, si vous avez kiffé, voilà. Surtout remercier Yayo. Voilà, voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonne soirée tout le monde. Je vais disparaître de votre écran, bien évidemment. Je vais envoyer le son que vous connaissez sur le campus de la Salty Academy, celui qui marque la fin. Aujourd'hui, nous sommes. On est quel jour ? Merde. Pourquoi ça me marque pas ? On était jeudi là ? On était mercredi. Demain c'est jeudi. C'est ça ? Ok, c'est jeudi. Donc du coup, on se retrouve demain. N'oubliez pas, surtout samedi, c'est les LSD. Point d'exclamation LSD, c'est les Salty Duels. Donc soyez là samedi, il va y avoir du beau jeu. C'est sur Rainbow Six et c'est pas vraiment sur Arma. Alright ? Bonne soirée tout le monde. À demain. Je disparais de vos écrans. Maintenant, ciao. Et j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Discord, c'est là que la fête continue. Point d'exclamation Twitter. Point d'exclamation YT, ou peut-être qu'on fera une vidéo de cette soirée qui était vraiment incroyable. Point d'exclamation Facebook, point d'exclamation TikTok, point d'exclamation ce que vous voulez. Point d'exclamation YT Replay. Voilà, allez vous abonner et allez liker aussi la chaîne Replay. Merci tout le monde et en particulier les personnes dont le nom défile à l'écran. Et il faut savoir dire merci, parce que certes on est salty, oui, mais pas que.